Bonjour à tous. Je vais vérifier si le son passe correctement au niveau du micro. Alors. Ouais, ça a l'air d'être bon. Allez, c'est parti. Allez, on va aller parler à Gunnar. Attaquez ce lieu avec votre propre équipage et pour vous emparer des richesses. D'accord. Là, on est en Angleterre, il me semble. Je suis parti en Angleterre. On a quitté la Norvège. Eh, hey, si on peut apparemment changer. Oh, ah ouais, apparemment, attendez. On a un bivouac. Ouais, attendez, je vais vérifier si le son passe bien déjà au niveau du micro. J'arrive. Attendez, je refais un test. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'est bon. Alors, Gunnar, il est juste ici. Est-ce que je peux me TP ou pas? Oui. Ouais, là j'irai plus tard. Hein. Ici, c'est sous cette partie-là, il y a des richesses, des mystères, des artefacts. On verra ça plus tard. C'est quoi déjà ça? Alors, on va regarder au niveau des légendes. Non, c'est pas ça. Les légendes. Alors, anomalie. Ah oui, l'anomalie d'Animus. Ah, j'ai pas compris le principe. Non, ce truc-là, j'ai pas vraiment bien compris comment ça fonctionnait. Apparemment, il y a un laser à guider sur des plateformes. J'ai pas vu comment vraiment on pouvait l'utiliser, je sais pas. Alors ici ça c'est quoi? Ah c'est une écurie, d'accord. Ah je vais peut-être pouvoir changer le... L'endroit n'est pas mauvais, Ivor. Pas mauvais du tout.
Nous manquons de matériaux pour bâtir la forge de Gunnar. Je vais rassembler les hommes pour aller piller. Est-ce que je peux t'aider ? Sigurd veut que tu mettes ta forge en service le plus tôt possible. Pour cela, nous aurons besoin de matériaux. Ah, tu veux dire qu'il faudra jouer les Vikings, alors ? Bien, bien. Cette époque me manquait. Les attaques, le pillage, le son des lames, et le choc des boucliers. Je te demanderai bien de te joindre à nous, mais tu es notre seul forgeron. Tu es trop précieux. Non, ne t'en fais pas. Les haches, il vaut mieux que je les forge. Ma place est ici, pas à manier la rame d'un destrier des eaux. Ça me fait penser que j'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands. L'emplacement de huttes de moines saxons y est marqué. Forcément. Comme nous, les brigands savent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors. Emporte cette carte, et fais-en un meilleur usage qu'eux. Je pense qu'il va falloir que je trouve des matériaux également pour bâtir cette écurie. Il me semble. Ouais, ça doit être ça en fait. Ok. Bon. Alors je vais essayer de trouver un petit peu de matière pour fabriquer cette forge. On va essayer de se promener un petit peu par-ci par-là. Il me manque des éléments pour fabriquer ça. Là c'est quoi en fait ce... Ah ouais, ce sont des photos. Ok. Prendre le commandement du navire. Ah ouais, d'accord. Tu vas passer un coup de fil? Non? Alors. Ouais, je sais pas vraiment où je dois aller. Alors ici on a quoi? Bah je pense que je vais prendre le navire. Ouais. Ou aller là, ouais, peut-être aller voir là-bas. Où il y a un peu de matière. Et apparemment il y a des richesses quelque part. Ça doit être ici. Voilà. On va aller voir ça. Là, je suis obligé de faire le tour. C'est pas ici. Hmph!
Accueillir des quelques chardons. Je vois ce que je peux faire avec ça. Je comprends pas, il me dit d'aller là, mais je vois pas 235 mètres. What? Ah, peut-être en dessous de la cascade. Ouais, quelquefois il y a des passages au niveau des cascades. Hop là. Ouais, je pense que c'est à l'intérieur. Voilà. Ah non, même pas. Peut-être mettre le feu. Ça va être compliqué si je dois mettre le feu là-dessus. Ou il y a peut-être des jarres à récupérer, je sais pas. Ouais, peut-être quelques jarres à récupérer. Et... faire sauter. Ah, c'est bizarre. Ouais, franchement, avec la cascade, je sais pas comment je vais faire pour tirer une flèche, forcément. Une flèche enflammée, ça, est... ouais, ça va être dur. Moi, si je vais pas jouer, essayer de taper dans le mur. Je crois pas vraiment. Voilà. Hop. Alors. Je vois pas. Pourquoi moi je pourrais faire. À part mettre le feu dessus, mais bon avec la cascade ça va être mort. Je vais baisser un peu le son. Pas parler trop fort dans le micro. Hop. Bon, bah c'est pas là, je vais récupérer de la matière pour fabriquer ma forge. Bah oui, c'est là-bas en bas. Ouais, tu vas comment? On verra ça plus tard. Voilà, je vais aller tout simplement. Ah, il y a des jarres ici, regardez. Waouh, cool. Prendre une jarre. Voilà, je vais la porter. Et à mon avis, ça va aller avec ça. Voilà. Ah ouais, mais elle va s'éteindre. À mon avis, ça va s'éteindre avec l'eau, hein. C'est sûr et certain. Bon, on va essayer, on verra. On tente, on verra. Ah bah non. Ah bah non, même pas. Ah bah si, balai. Ah bah non. Oh. Si, alors ça fonctionne quand même. Ça reste tout le temps allumé, ça, dans l'eau. Ah ouais. On lâche. Oh, j'ai un doute quand même que ça fonctionne. Hein. Attention. Attendez. Bon, ça marche pas. Hein. Ouais, forcément. Bon, je peux poser ça là, moi. C'est impossible à faire. Infaisable. Faut que je mette le feu dessus. Ah c'est mort. On va chercher deux autres. On va chercher d'autres pour voir. Chercher d'autres jars. Voilà. On va en prendre plusieurs. Allez, on y va. On va prendre ça.
Lancer. Ah, on peut les lancer. D'accord. Le feu. Ah, je prends feu. J'ai pris feu. Non. Non, ça marche pas. Dans mon inventaire, j'avais pas ma genre de masse. Ah, pour moi, il faut y mettre le feu. Hein. Pour moi, il faut y mettre le feu, c'est sûr et certain. Bon, j'allais prendre le commandement du navire, on verra ça plus tard. Allez, on va pas s'embêter de toute façon, il faut que je ramène des matériaux pour construire ma forge. Interagir. Comment ça? Ah. Et. Ah, d'accord. Petite toilette du matin. D'accord. C'est sympa. C'est tout. Ah, c'est un lavage rapide, quoi. Il y a peut-être une charrette à prendre, hein, ou des... Je sais pas. Non, mais c'est pas grave. J'allais prendre mon bateau. Je vais aller chercher... à prendre le commandement du navire. On va aller prendre le commandement du navire et on verra bien. Allez, on y va. Là, apparemment, on va créer notre propre campement. Ça va plutôt être sympa, je pense. Voilà. Allez voir ça. Moi, je pense que j'aurais pu me TP directement sur mon bateau. Allez, c'est parti. Attaquer le monastère, attaque des lieux bien gardés est idéal pour trouver des coffres. Ah, c'est ce qui manque. Les coffres de ravitaillement et de matières premières. Ces éléments sont nécessaires pour construire des bâtiments dans la colonie. Une attaque de pillage est terminée lorsque tous les coffres de richesse de la zone ont été pillés. Eh ben, on va les piller tout ça. Écoutez, voilà. Pour le bien du clan, on y va. L'heure est celle des Vikings. Aujourd'hui, nous pillons pour que demain nous puissions bâtir. Enfin, nous allons écraser ces monastères chrétiens comme autant de coquilles d'œufs. Les Saxons savent que nous sommes là, Dag. Leurs monastères seront bien gardés. Ah, je parie qu'ils n'auront que des prêtres et des prières à nous opposer. J'ai envie d'une chanson. Allez, c'est parti. Là, regarde, un monastère. Je suis prêt. Quand
quand tu voudras. On va aller piller ce monastère. Matériaux de construction 20 sur 30. Attends, t'emporte. Faites-les saigner et voler leur trésor. Ah, c'est vraiment génial, hein. Malheureusement, on est en train de piller un monastère, on l'a pas le droit. Un viking, ça va pas dans la tendresse. Hop. Tu vas saigner. J'arrive pas à trouver mes touches. Oh, eh oh. Ah, j'ai pas tapé. Ah mince alors. Ah, je cherche après mes touches. C'est dur là, c'est dur. Il y a tellement de monde que je sais pas qui taper. Oh non, il est mort. Alors, je sais pas si c'est ici qu'il faut piller ou pas. Non. Ah, ici. Voilà. Waouh, le coffre. Waouh, cette musique, franchement, graphiquement, elle est beau, hein. Il envoie, hein. On a tout ce dont Lunar a besoin. Mais rien n'empêche d'en rapporter davantage. Ah bah si, on va fouiller le camp. On va continuer d'aller ramasser ce qu'on peut ramasser. Voilà. On va pas se gêner. Hop. Ça c'est du pillage. Porte ici. La mort vient te chercher. Il est mort. Là-bas, apparemment, on a des ressources. Ici. Hé hey, par ici. Allez, on va défoncer la porte. Les vers sont en défense. Allez, on attaque par derrière. Ça. Ah, faut le soigner. Jésus, ah d'accord. Mes coups. Ah mais je le soigne, t'as pas. Non, t'as pas. Tiens, toi, tu vas mourir toi. Voilà. Et on le soigne. Ah d'accord, c'est top ça. Merci Eivor. Top de pouvoir les soigner comme ça.
Salut Yoda, coucou Yoda. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Je sais pas si tu m'entends bien. Alors là, on est en train de plier toutes les matières pour... toutes tes ressources pour... pour créer notre propre combat. Allez, en fait. Tout le monde au navire. Voilà, on prend... On prend plein de ressources pour créer une forge, une écurie, etc. Ouah, mais cette musique, elle est super belle par contre. Alors, on a changé d'endroit, hein. On n'est plus du tout en Norvège, là, on est en Angleterre. Enfin, si j'ai bien compris. Je suis pas encore sûr à 100% qu'on soit en Angleterre, mais je pense que si. Oula, c'est quoi ça? Je sais pas si tu m'entends bien, Yoda, au niveau du micro. Normalement, il est mis, je pense. Pas si ça passe bien. Et si c'est quoi ça? On ne peut pas passer là. Ok. Alors, lorsque vous portez la cape, les gardes ne vous détectent qu'à proximité, d'accord. Ouais, ça va tout doucement, Yoda, tout doucement, comme d'habitude. Ça va, comme d'hab, quoi. Je sais pas si tu m'entends bien, hein, par contre, au niveau du micro. N'hésite pas à me le dire. On est posé, là, dans le salon. Bien tranquille, voilà. Moi, je profite un peu de ce jeu, voilà. Voilà, confort au maximum. Ah, et puis bah le fait d'apprécier ce jeu sur un grand écran, c'est quand même mieux. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est un petit plaisir en plus, quoi. Le son nickel là, bah, c'est impeccable. Merci pour le retour, Yoda. Merci à toi. Oh, c'est quoi ça? Se fondre parmi les habitants pour éviter d'être détecté. Ok. Moi, je sais que j'ai une cape. Ah, je me suis trompé, j'ai pris des soins. Ah ouais, non, mais là... Va, Sinin. Je me suis trompé au niveau de ma croix. Non, pas mon cheval. Ok, superbe. Voilà, c'est la croix du bas pour utiliser la cape. Voilà. On va se cacher, on va se cacher. Et puis, je sais pas ce que c'est, ça, par contre. À mon avis, d'accord. D'accord, j'ai pris la place d'un habitant. Et je fais comme si j'étais tout simplement en train de confectionner une cloche. Ah, c'est bien foutu. C'est bien, c'est pas mal. Ok, ouais, mais après je sais pas s'il y a encore des gardes. Je pense pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de menaces. Voilà, allez, je vais regagner ma colonie et bâtir bâtir la forge de Gunnar. C'est ce qu'on va faire. Allez, c'est bon. Hop, on s'en va. Voilà, bon, on avance tout doucement dans le jeu, hein. Voilà. Je suis peut-être à la deuxième mission, je pense. Deuxième ou troisième mission. Voilà, ou troisième quête, je sais pas comment on peut dire ça. Voilà. On a quoi ici? Le butin ne manque pas. Avec l'aide de l'équipage, on devrait pouvoir le rapporter au navire. Ah. Alors ça, c'est certainement pour appeler mes... Alors attendez, je vais essayer pour voir. Non, je sais pas si c'est ça. D'accord. Moi, j'ai joué de la corde, mais je sais pas si c'est ça, en fait. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai encore rien compris, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors, ici... Forcer l'ouverture. C'est un beau butin, mais je vais avoir besoin d'aide. Ah, il faut prendre des haches. D'accord, je viens de comprendre. Ok. Allez, je pense que ça doit être ça.
Comment ça marche? J'ai pas compris. J'ai le pouvoir de lancer des haches, mais je sais pas comment ça marche. Ok. Ah, c'est peut-être parce que j'ai gardé ma cape, peut-être. Alors, attendez. On va retirer la cape. Ok. Non, je sais pas comment ça marche. Je vois pas. J'ai pas compris. RT. B. Peut-être aller chercher mon équipage, je sais pas. C'est dommage, y'a pas plein de ressources à récupérer. Y'a plein de ressources. J'ai pas. Franchement, il est pas évident à reprendre en main. Hein. Il y a tellement de choses qui ont été changées. À moins qu'on puisse passer ailleurs. Je sais pas. Parce que quelquefois il y a des ouvertures par le toit. Bah ici. Regardez. Bah qu'est-ce qu'il y a besoin de forcer la porte? Pas besoin de forcer cette porte. On peut rentrer par la porte principale apparemment. Ah bah voilà. Ok, et pas de la vraiment de la fracasser, on peut rentrer. Mais je comprends pas, il me dit qu'il y a des ressources à l'intérieur, faut aller chercher les alliés. Oh, ok, bon. Salut Johan, coucou Johan, merci pour le partage. Et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien Johan. Merci également à toi Yoda d'être là. Alors j'ai pas parlé beaucoup parce que je suis dans mon salon forcément. Je suis peut-être un peu moins bavard que d'habitude. Soyez pas surpris si le micro entre deux est coupé. Ouais. Voilà, je suis peut-être un petit peu moins bavard que d'habitude. J'espère que ça va Yohan et merci d'être là également. Bon. Ah bah on va pas chercher à comprendre, on va aller tout simplement rejoindre la colonie et bâtir ma forge. Alors on reprend toutes les ressources, un petit peu de champignons. Hop, manger. Alors pour l'instant avec Sinine c'est pas comme dans Odyssée ou dans Origine. Hein. Sinine me sert pas grand chose en fait. Par peut-être pour repérer quelques ennemis, mais on peut toujours pas les repérer, les marquer en fait. Vous voyez? Voilà, ce sont des habitants. Forcément, il n'y a pas de soldats. Ah si, peut-être par ici, ouais, comme ça en fait. D'accord. Tout ce qui est ressources, on les voit comme ça. D'accord. Bon, bah, on verra ça plus tard, hein. Waouh, ouais, mais là il y a énormément de ressources ici. C'est vraiment génial. Juste ici. Alors j'espère que tu profites bien de Call of Duty, Johan. Je sais qu'il est sorti hier. Mais je vais certainement me le prendre sur PC par la suite. Je pense que si j'arrive à bien avancer dans Valhalla, je prendrai certainement, histoire de changer un peu de jeu aussi, hein, pas tout le temps faire que ça. Ton ex The Last of Us, à mon avis, est bientôt fini. Je l'ai bientôt terminé. Oui, mais t'es pas obligé de crier comme ça. Bon, c'est pas grave, pourtant j'ai ma cape, je suis caché. Voilà, donc je vais certainement me le prendre sur PC. Je pense, je sais pas. On verra d'ici quelques mois, on verra bien. Allez, hop. Prends le commandement.
La journée a été bonne. Ah ouais, d'accord, Johan. À 9h à l'ouverture. Tu es certaine qu'il ne reste pas un ou deux trésors cachés ? De quoi remplir nos sacs ? Mes tripes me disent que non. Alors, Eivor, dis-moi combien ? Combien ? Dag, je ne compte pas les gens que je tue, car il y en aurait beaucoup trop. Je veux bien te croire, encore des choses à piller. Moi, parle-nous bien, toi qui n'es pas soigné de cette licence. 26, je crois. Non, il y en avait à peine une douzaine quand on est arrivé, Dag. Non, non, tu n'as pas tout vu. Certains ont attaqué depuis la forêt. Bon, j'attends un petit peu, quelquefois, on devrait aller continuer à aller piller ce village. Parce que je suis sûr qu'il y a encore des ressources. Mais on verra bien. S'il faut, on y retournera plus tard. Vous voyez, plein de villages à piller comme ça pour... tout simplement pour bâtir la forge de Gunnar. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, je vous laisse que quelques petites chansons de Viking. Voilà. Noble deeds thine honor sing. The brave man slain Valkyria waves. Reward for strain to Valhalla takes. Then horns resounds the mighty call. For those who fight, for those who fall. For those who fight, for those who fall. Elle est connue cette chanson, hein. C'est un refrain qui dit quelque chose en fait. Pour moi, c'est... Ah ouais, tu l'as préco depuis le mois de septembre. Ah ouais, forcément. Donc ça se comprend qu'il était à 9h à l'ouverture du magasin. Ah, oh, faut se faire plaisir un petit peu malgré les circonstances. Heureusement qu'on a encore quelques les jeux vidéo et un petit peu pour se faire plaisir de temps en temps. Amarrez le navire. Silence. Alors je sais pas si j'ai assez de ressources parce que je suis persuadé que pour moi il y a encore des choses à piller dans ce village. Dans ce monastère. Alors, on va aller voir ça. Et salut Maxime. Salut. Bienvenue à toi Maxime. Bienvenue sur le live, j'espère déjà que tu vas bien. Déjà de retour. Oui, bah apparemment j'ai assez de ressources pour pouvoir bâtir cette forge. Bah, c'est superbe. Voilà, allez, on y va, on va partir un peu tout ça. C'est pas mal les animations, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors ça, on n'avait pas ça dans les précédents opus. C'est hein. Magnifique, Eivor. Cette forge est encore plus grande et plus brûlante que celle que on j'avais avait, à on n'avait pas ce, passe me voir ce système de bâtir... Pour les armes et l'équipement, je suis le meilleur. Je le ferai, Gunnar. Sois-en sûr. Je pense que je suis bientôt sur la fin, Maxime, pour The Last of Us. J'essaierai de refaire quelques lives un coup au matin, dans la semaine. Bientôt sur la fin. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, à mon avis, tu arrives bientôt sur cette fin. Ouais, donc... ouais, tout se passe bien. On a eu... bon, comme d'habitude, hein, chaque fois que je joue sur ce jeu, c'est du plaisir, quoi. Voilà. Voilà. Par contre, je vais pas parler énormément, hein, parce que je suis dans mon salon. Voilà, je serai un petit peu moins bavard, parce que vous êtes certainement dû remarquer que je stream depuis la Xbox. Donc, je parlerai un petit peu moins que d'habitude. Voilà. Oui, j'ai passé le pont, c'est ça, Maxime. Exactement. Voilà.
Mais on le refera, vous inquiétez pas, je referai et je continuerai ce live sur The Last of Us 2. On va peut-être pas des horaires simples, c'est le matin, c'est uniquement le matin. Parce que là, je suis à fond sur Valhalla. On verra bien, je vais essayer de voir un petit peu, peut-être de temps en temps, refaire un live l'après-midi sur The Last of Us, mais on verra. On verra bien. Alors, attendez, je suis en train de regarder un petit peu ce qui est indiqué pour bâtir tout ça. Alors, pour construire un nouveau bâtiment, approchez-vous d'un panneau avec suffisamment de ravitaillement et de matière première. En grandissant, la colonie gagnera en renommée et offrira de nouvelles possibilités de construction. Appelez le corbeau pour afficher tous les services existants ou constructibles. D'accord. Bon, maintenant on va aller parler à Sigur. Je sais pas si c'est lui ou pas. Oui. Allez voir ça. Ah, ça fait plaisir, Maxime, de voir ça, des messages comme ça. Ça fait plaisir de voir que tu prends du plaisir à regarder mes streams. Voilà. On est bon, malheureusement, on est un peu moins nombreux qu'avant. Hein. Il y a de moins en moins de monde. Avant, le chat était quand même beaucoup plus animé. Mais bon, après, j'ai quand même été pas mal absent sur Twitch. Donc, j'ai perdu un petit peu ma communauté. Mais bon, ouais, c'est pas grave. Hein. Ça, on essaiera de faire au mieux pour reconstruire tout ça, voilà. Tant que j'ai cette possibilité de pouvoir faire des lives, eh ben on essaiera de voir par la suite, on verra bien. Alors, je veux améliorer mon équipement. Qu'est-ce que tu fais ici, Gunnar? On va lui poser la question avant, voilà. Peux-tu me rappeler quelle est ton activité? Si tu as besoin de décorer ou d'améliorer des armes ou des armures, je peux m'en charger. Ah, du soutien, ouais, c'est vrai, j'en ai un peu besoin en ce moment pour déjà pour me motiver à streamer, c'est vrai. Il y a ça aussi. Puis le fait de ne pas être seul, hein, parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y a des lives où j'étais tout seul. Donc par contre, ça c'est un petit peu démoralisant, mais on continue. Voilà, tant qu'il y a l'envie de stream et le plaisir de faire des lives sur différents jeux, on fait un petit peu abstraction et tout ça. Voilà, je vais améliorer mon équipement. Allez, c'est parti. Je peux te partager. Ouais, c'est comme tu veux, Maxime. Je force pas les gens. En aucun cas, je force les gens de. Mais si on peut s'entraider, pourquoi pas. Si tu veux partager ce que je fais au niveau de la chaîne, il n'y a pas de souci. Un grand merci à toi. Merci d'avance, en tout cas. Voilà, on a un Discord. Hein. Je sais pas si tu es sur le Discord. Voilà, c'est pas si vous êtes streamer, si vous. Vous faites des lives, il y a une rubrique exprès où vous pouvez parler de votre chaîne. Voilà, en restant raisonnable. Hein, voilà, je vous demande pas non plus à spammer tout le temps sur le Discord. Mais si ça vous dit, on a un Discord. Voilà. Si vous faites des lives, ben pourquoi pas. Alors, on va regarder un petit peu ce que je peux améliorer. C'est la première fois que j'améliore mon équipement. Hein. Parce qu'au départ, j'ai démarré avec ça. Voilà. Merci Johan pour le Discord. Ah oui, là je vais avoir besoin de toi de Johan parce que j'ai pas du tout le Stream Deck. Je travaille beaucoup avec un Stream Deck. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'outil idéal pour le streamer. Voilà, ça te permet de taper tout de suite des commandes sans le taper au clavier, voilà. Ce sont des petites touches, des touches qui te permettent d'envoyer des liens ou avoir de l'interaction sur le chat. Mais là, le Stream Deck n'est pas installé, forcément. Je suis via la Xbox, je peux pas l'utiliser, quoi. Alors. L'âge de Varin. Qu'est-ce que ça m'améliore de plus? Alors, apparemment, je peux rajouter un emplacement de rune supplémentaire. Et changer l'apparence. Alors, en priorité, je vais améliorer surtout ce sont la hache et le bouclier. On va partir sur ça. Je pense. Par contre, j'ai pas vu combien ça me coûtait en matériaux ou en argent. Je sais pas du tout. Mais vraiment pas.
Non, là je peux pas le faire. Apparemment j'ai pas assez de matière pour améliorer la hache. Donc je peux faire que tout simplement que l'arc spartiate. Donc on va faire ça. Voilà. Ah, t'as pas de Discord, Maxi? Bon, c'est pas grave. Pas grave, on a j'ai Twitter, n'hésite pas à passer sur la page d'accueil ou pas, à toi de voir. On a j'ai tout le temps dit Twitter et Facebook éventuellement. Y a pas de souci. Ça, on va l'améliorer également si on peut, oui. Après on prendra le temps d'installer des runes. L'animation est pas mal faite, je trouve. Hein. La cape. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, on peut pas, vous voyez, passer de matière où il n'y a pas assez de... Non, apparemment, on peut pas le faire. Le casque également. Alors j'ai changé de personnage. Au départ j'étais parti avec un homme. Et j'ai tout simplement changé. Je suis passé avec une femme. Voilà, tout simplement. Parce que le Odyssée puis Origine, j'ai pris tout le temps une femme et là je me suis dit bon, je sais pas, j'avais du mal à m'adapter avec au gameplay, je sais pas pourquoi. C'est peut-être comme ça, je sais pas du tout. Mais j'ai préféré prendre une femme, voilà. Ah bah ça je peux le faire aussi. Voilà. Voilà. Un nouvel emplacement de runes. Bon, je pense qu'apparemment, là, à mon avis... Ah si, si, je peux faire ça. Allez, on y va. Bon, ça, ce sont des éléments que je pourrais peut-être revendre par la suite, je sais pas. Je dois dire que je suis fier de mon travail. J'aimerais voir. J'ai peut-être quitté un peu trop vite. On va faire le tout vite fait. C'est la première fois, hein, je vous dis que j'améliore mon matériel, mon équipement, voilà. Oh, je cherche après le mot. Excusez-moi. Après, je vais m'habituer un peu plus. Hein, mais, voilà, ça c'est. Je suis dans la découverte de ça. Vu que je viens de construire ma forge. Ok. C'est tout pour l'instant. On est bon, on est pas mal. On n'est pas trop mal. Allez, faut que j'y aille. Je pars. Porte-toi bien. Porte-toi bien, surtout. Voilà. Alors, ce que je vais faire avant tout, c'est voir si je peux pas rajouter les runes. Alors, ici. Ah, j'en ai plus de disponibles. D'accord, ok. Bon bah c'est pas grave, on essaiera de voir si je peux pas Ah ouais, j'en ai pas de disponible pour l'arc, d'accord. Ok. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir emboîter? 14% de santé. C'est pas mal ça. Rune de vie. Ah non, ils sont utilisés. Non, ce sont des runes qui sont déjà utilisées. Parce que si je l'emboîte, à mon avis, je le retire sur un élément. Voilà. Le fait que vous voyez, là, il est passé de couleur un peu grise. Et là, on peut l'emboîter. La gestion de l'inventaire est complètement différente de Origine et Odyssée. Hein. Mais vraiment. Donc remède mineur 1% plus 1% de résistance
Là, ce sont les évitements. 11% de santé. Oh, je vais mettre ça. Dégâts de corps à corps. Voilà. Alors, est-ce que je peux rajouter également? Non, tout est déjà pris. Je vais mettre certainement ça. Alors, est-ce qu'il y a un rune bien spécifique par rapport à l'arme utilisée? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Là, je vais vraiment un petit peu dans le hasard. Voilà, je vais un petit peu au feeling. Est-ce que des runes ne seront pas... Certaines runes ne sont pas meilleures sur une hache, sur une arc ou... je ne sais pas du tout. Voilà. Pas vraiment s'il y a vraiment un truc à respecter ou pas. Ici. Bon, on va mettre ça. Ah, attendez, vous voyez, ça va pas ça par contre. Je me suis trompé. J'ai dû le retirer de mon équipement. Alors voilà, ça c'est bon. Alors rune de Romaine mineur, résistance pour les toxiques. La santé. Ouais. Ça, voilà. On est un petit peu au hasard, on verra bien. Hein. Alors, je peux les améliorer également, on va voir, on va profiter de le faire. On peut pas, là c'est bon. Désolé si je suis un petit peu long pour le pour la gestion de cet inventaire. C'est un peu nouveau, donc faut que je prends vraiment le temps de comprendre le principe. Voilà. C'est tout ce que j'avais pu récupérer. Déjà pour ton level, Yuan. Déjà à toi. Voilà, je pense qu'on est bon là, on est pas trop mal. Là, le petit point blanc veut dire qu'on a mis des runes, je pense. Ça doit être ça. À mon avis, je pense que ça doit être ce principe, pour ce principe là. Ah, par contre là, qu'est-ce que j'ai retiré? Attendez, je vais revérifier. Ah, j'ai pas de... D'accord. J'ai pas de bouclier par contre ici. Donc on va le prendre. Voilà. Allez, on est bon. Et puis on va continuer. On va aller discuter avec Sigur. On va aller lui parler à ce fameux Sigur. Il est passé où, Sigur? Ah, c'est sûr que ce style de jeu change complètement de The Last of Us. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Bah, ça va, je prends du plaisir à y jouer.
Je vous cache pas que j'ai eu de mal un petit peu au début à accrocher. Parce qu'on était sur un prologue en fait, un genre de prologue. Voilà, je vais pas vous en dire plus pour ceux qui voudraient le faire par la suite. J'avais l'impression d'être dans un prologue et ensuite on a eu le titre du jeu, voilà. Voilà, j'en dis pas plus. Et là on est vraiment dans le feu de l'action. On a vraiment... Par ici. On est sur des quêtes, des... voilà, du pillage, etc. Faut passer par où? Je trouve pas mon chemin. J'ai pas trouvé l'entrée. Non. C'est pas ici. Ah, mon sens de l'orientation ne change pas, comme d'habitude. Je pense qu'il faut passer de l'autre côté, à mon avis. Tout simplement là. Oh, c'est quoi ça? Allez, on va lui faire une petite caresse. Ravi de te voir. J'ai mal au dos à me tenir ici. C'est bien des petites interactions comme ça avec les animaux du campement. C'est bien fait, je trouve. C'est pas grand chose, mais c'est une petite animation en plus. Eivor, par ici. Que vas-tu installer dans cette salle? Ma meilleure arme. Car cette pièce sera la tienne. Tu pourras y dormir, suspendre ta hache ou te noyer dans tes pensées. Est-ce qu'elle te plaît? Elle me va très bien. Mais je serai tout aussi bien avec les guerriers sur le quai. Je n'ai pas besoin d'un traitement de faveur. Je crois que tu te méprends. Je tiens à t'avoir ici, dans la Maison Longue, près de moi. Je suis peut-être le Jarl de ce clan, mais nous dirigeons ensemble, depuis toujours. Alors, habitue-toi à ta pièce, et quand tu seras prête, rejoins-moi à l'écurie. Allez, on va s'accoutumer à ces quartiers. Donc, c'est-à-dire certainement faire un peu le tour, voir un petit peu ce qu'on pourrait y faire. Pour les messages et les requêtes. Ok. Voilà, bon, il y a pas. Vous avez certainement deviné à quoi ça servait, ça. Certainement pour se reposer. Bon lit et un endroit aussi agréable pour me reposer. Voilà. Ça, y a pas de doute. Se reposer ou faire autre chose, ça je sais pas. Je précise, voilà. Voilà notre bivouac. Situation. Bivouac, d'accord. En effet, nous aider. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Allez, c'est parti. Là, c'est pour se poser, à mon avis, pour pouvoir prendre le repas. Voilà, il n'y a pas de doute. Ok. C'est la même chose. Alors j'espère que le jeu pas trop sombre. Beaucoup de difficultés à améliorer la lumière du jeu. Du fait que je suis en HDR. Voilà. Il y a des moments par contre j'ai l'impression de... Il y a certains éléments dans le son qui se coupent. Alors, je sais pas si c'est mon casque ou bien le son qui fait ça. Donc on va faire un peu le tour. On va utiliser peut-être un peu le... Là-bas on a un forgeron, on va aller le voir, tiens. Il y aura peut-être des petits éléments à vendre. On va aller voir ce forgeron. Eh, on peut pêcher. Waouh. Normalement on peut pêcher, là il y a un marchand également.
On va faire le tour de ce camp pour voir. Je sais qu'il y a, il y a des interactions également avec différents personnages que tu rencontres dans des campements. Il y a un genre de jeu avec un DD également. J'ai pas compris le principe de ce jeu. On peut faire des gens. Il y a un genre de concours de boutade également aussi, c'est ça. Voilà. Vous allez voir, hein, il y a plein de petits trucs qui ont été rajoutés. Il y a un petit peu d'interaction sur le campement en fait. Voilà. Un peu d'interaction sur le campement. Ouais, c'est quoi ça? Arbre remarquable. Merci Yuan, tout est nickel, ben, c'est impeccable. Alors je peux embellir l'embellissement, je peux embellir les arbres. D'accord. Le repos. L'arbre de pendu, ouais bon, c'est pas... Ah, on va mettre ça à la place, tiens, allez. Voilà. Ah, c'est... Au début c'est pas ce qui est le plus intéressant, parce qu'on met en place notre campement forcément. Mais vous allez voir, quand on va devoir aller piller des villages, etc, ça va... C'est sympa. Ce système de pillage dans les villages, tout ça, c'est assez sympa. C'est la marque de fabrique d'un viking, de toute façon. Hein. Un viking, c'est un voleur. C'est un voyou. Voilà. Ah bah la forge, c'est ce que je viens d'aller faire, en plus. Bah oui. Alors attendez, c'est pas lui, bah si si. Allez voir, je vais revérifier. Non, c'est pas lui. Je dois partir. C'est pas ça. À bientôt. C'est pas là que, à mon avis, je dois vendre. Je dois vendre ce que j'ai en surplus en fait. Hein. Donc il faut que j'aille. Non, c'est pas là non plus. Déploie tes ailes, Sinine. Oh désolé, je cherche. Hein. C'est un peu normal. Oh, le vendeur est là-bas. Allez, on va aller voir. Hop. C'est parti. Ah, voilà. Dis-moi, quel est ton métier? J'achète et je vends toutes sortes de choses. Et je suis en lien avec de nombreux autres marchands, ce qui me permet de te fournir à peu près tout ce que tu peux désirer, juste ici. Mais je ne pourrai pas faire grand-chose tant que je n'aurai pas de lieu de travail. Je commencerai dès que tu auras pu m'en construire un. D'accord. Ouais, donc on a plein de choses à construire en fait. D'accord, ce sont des différents... Ça fait partie de... Je dois me mettre en route. Au revoir. On va dire d'une nouvelle nouvelle communauté, on va dire ça comme ça. Voilà. Je sais qu'il y a des écuries également, il y a une écurie à construire, enfin il y a plein de choses à faire. Hein. Alors, j'espère que je vais pas me perdre dans tout ça, pas oublier ce que je dois faire, ce qui est le plus important pour la vie de cette communauté, on va dire. Hein. Voilà. Bon, bah, de toute façon, il n'y a pas besoin de se précipiter. C'est un petit truc à gérer en plus. Voilà, c'est quoi ça là-bas? C'est des ressources. Parce que je suis pas très bon hein, quand il est question de fabriquer des bâtisses pour. Voilà, je suis pas très très bon là-dessus. Hein. Pas très très bon. Alors, attendez, on va aller voir avec le corbeau. Ça c'est quoi là-bas? Ça c'est certainement pour appeler le bateau. Ici on est sûr, on va aller voir là-bas. On va faire le tour. Alors oui, Sigurd là, il est parti à l'écurie. Bon, j'irai après. Là, je fais le tour du campement. Voilà. Je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire sur les différents endroits. Que fais-tu ici déjà? Pour ce qui est de tes troupes, tu t'adresses à moi. Je veille à ce qu'elles soient prêtes et je les maintiens en forme. Tu dois construire du casernement. Sinon, ces pillards vont se ramollir. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Un casernement, c'est certainement l'équipement plutôt.
je pense. À une prochaine fois. Adieu. Alors, on va apporter quelques embellissements. C'est des totems, d'accord. Arsenal. Entraînement. Statue en bois d'Odin. Et le puits de pierre. Voilà. Je sais pas si c'est passé. Attendez. Ah ouais, ici. Ouais, ça doit être ça, je pense. Je sais pas du tout. Allez, on va aller discuter un petit peu avec ce... c'est une dame, je pense. Oui. Dis-moi, quel est ton métier ? Quoi que tu puisses désirer pour ton navire, mon mari et moi serons ravis de t'aider. Et nous avons l'œil pour ce genre de choses. Mais pour l'instant, ah, d'accord. Là, c'est la construction d'un endroit approprié. Occupe-t'en sans tarder, d'accord ? C'est la construction des navires ici, d'accord. Je dois prendre congé. Adieu. À la prochaine fois, bon, Ivor. J'espère que je vais arriver à gérer correctement tout ça, parce que il y a beaucoup de choses à gérer. Hein. Le navire, l'écurie, l'arsenal. Alors, attendez, on va revoir un peu. Bon, l'écurie là-bas, où on est sur quoi là? Bureau de ce qu'on ne voit pas. Allez, on place un marqueur. On va aller voir là-bas. Il est mort le chien là. Ah, j'ai cru. J'ai cru qu'il était mort. Non, non, il était en train de se reposer. Oh, je me suis dit, je vais marcher sur le chien. Ah non. Alors, attendez, est-ce que c'est là ou pas? Oh, c'est peut-être bien là-bas. On va aller voir. On va aller voir ça. Ivor, acceptes-tu un duel de mots? Ah, c'est le truc des boutades, ça. Des joutes, plutôt. Je me trompe. C'est les joutes. C'est ça, ce... Je sais pas pourquoi j'ai parlé de boutades, j'en sais rien. Alors que je suis sûr qu'il n'y a pas ça dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi j'étais sortir ça. Mais vous inquiétez pas. Non, non, ce sont des... Des joutes. Non, bon, j'ai pas... D'accord. J'ai pas plus trop... Plus tard, peut-être. Vraiment... J'ai pas vraiment compris le principe des... De... Faut faire des enchaînements de phrases, etc. Par rapport à... Enfin bref, ça on verra, j'essaierai de comprendre ça un petit peu plus tard. C'est un peu comme le jeu qui est proposé avec les dés. Bon, là c'est pas la peine. Bon, je pense que je vais aller tout simplement me rendre tout doucement sur l'écurie. Quoi, prêt à chevaucher d'un moment à l'autre. Compte sur moi, mon ami. Ouais. C'est là-bas. Chemin qui nous mène à la gloire. Au revoir, Eivor. Ok. C'est nécessaire. Oui, et je peux être utile. Regarde-moi un peu ces bras. Je suis une bête. Je suis une bête. Que se passe-t-il? Allez. Basim nous quitte déjà. Et Sigurd compte partir lui aussi. Est-ce que c'est vrai? Nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord. Il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres.
Et c'est là qu'est allé Basim ? Les motivations de Basim lui sont propres. Laisse-le faire. Nous avons des tâches plus pressantes. Je vais aller dans le Leicestershire, jusqu'à une ville appelée Repton. Eivor, je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en auras fini ici. Je peux venir tout de suite. Il me faut un cheval. Pas encore. Va d'abord voir Ranvi. Elle a plusieurs tâches à te confier ici. En plus de faire grandir cette colonie, tu vas devoir nouer des alliances. On ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis. Dans ce cas, je dois t'accompagner, Sigurd. Je suis un meilleur compagnon pour les longues routes. Non, Dag. Ta place est ici avec les guerriers. Et tu feras ce que t'ordonnera Eivor. Sois prudent, mon frère. Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Oui. Et moi, je veille sur nos pillards. Faire ce qu'ordonne Eivor. Il me met à l'épreuve. Peut-être bien. Sigurd est quelqu'un de sage. Je préfère encore devoir obéir à un pou. Il préfère obéir à un pou, d'accord. Ça c'est dit. Amélioration de la colonie, ravitaillement de matières premières sont nécessaires pour construire. Mon étoile laisse à désirer pour l'instant. Si tu peux me construire quelque chose de mieux, je te promets les plus belles bêtes. Une écurie animée serait la bienvenue ici. Je vais voir ce que je peux faire. D'où te vient cette affinité avec les chevaux, Rowan ? Ils sont mes amis d'enfance. Je n'étais pas très fort, je bégayais, et les chevaux étaient les seuls à ne pas se moquer de moi. Au fil du temps, je crois que j'en suis venu à les comprendre, aussi bien que tu comprends les gens. J'écoute quand ils parlent et vice-versa. Peux-tu me rappeler quelle est ton activité ? En tant que palefrenier et garde-chasse, je serais ravi de t'aider pour tout ce qui touche aux chevaux et à ton grand corps. Ah, c'est garde-chasse, palefrenier. Pour le moment, je suis un peu coincé. Si tu me construisais une étable, je pourrais me mettre au travail. Ouais, il y a plein de choses à construire, hein, vous voyez. Une étable, voilà. On a un truc pour les navires également. Enfin, il y a plein de choses à prévoir. Je dois partir. À bientôt. On va devoir, piller, malheureusement. Les grands corbeaux adorent ça. C'est un peu ça. Hein. Le jeu, ça sera ça. Hein. Il va falloir piller, etc. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux points de compétence. On va regarder un peu. Vous allez voir, pour ceux qui connaissent un peu le principe des Assassin's Creed, l'arbre de compétence, il a bien changé. Hein. Complètement différent par rapport à ce qu'on a pu connaître. Alors, je le trouve plutôt pas mal. C'est intéressant. Voilà. On peut d'ailleurs tout réinitialiser. Hein. Je sais pas si ça coûte de l'argent. Je ne pense pas. Non, apparemment non. On peut tout remettre à zéro. Pour l'instant, j'y vais un peu au feeling. Voilà. Accumulation des toxiques, des dégâts de 3% de toxiques. En dégâts et en accumulation. Donc je vais voir un peu si je peux plutôt pas améliorer par ici plutôt. Dégâts discrets. Alors. Dégâts d'attaque légère. Ouais, je vois pas vraiment à quoi ça correspond l'attaque légère. Est-ce que c'est l'attaque avec le... L'attaque quand tu es au moment tu es en position là, comment dire, accroupi peut-être, je sais pas si c'est ça. Je sais pas du tout. Ouais. Prendre le temps de regarder quand même. Ouais, c'est des dégâts d'assassin en fait, ça, l'attaque légère, c'est des dégâts d'assassin à mon avis. Je pense. Rebat. Accroissement des résistances au poison et réduction des dégâts toxiques. Ok. Je vais prendre ça. Je pense que je vais prendre ça. Ouais. On va prendre un petit peu le bonus. La voix de l'ours. Voilà.
reste un point. Ça a l'air pas mal aussi, ça. Réduction des dégâts de toutes les attaques puissantes ennemies. Les attaques puissantes ont un effet doré ou rouge. Ouais, bon, c'est un peu... un petit peu du charabia pour moi, tout ça. Allez, on va prendre ça, on va rester là-dessus. Voilà. On reste vraiment dans le corps à corps là. Moi, principalement, je pense. Ouais. Voyez, après, vous pouvez débloquer ces genres d'attaques. Qu'il faudra bien sûr attribuer. Alors, ici, on a. Atteindre le niveau 2 de la colonie. Là on est encore sur de la quête principale hein. Voilà. Puissance suggérée. Du 20, je suis combien? Moi je ne sais même pas regarder. Je suis 27. Ok. Bon, on va faire ça. On va parler à Randvi. Allez, on va faire une petite sauvegarde. Va, ma fille. Ah, on a quelques ressources ici. On en a là. Ouais, ça on fera ça plus tard, je pense. Voilà, c'est un bivouac. Grande vie là-bas. Allez, on y va. C'est parti. Ah, vous allez en manger hein, du Valhalla, malheureusement, je vais dire, hein, pour ceux qui n'aiment pas trop ce style de jeu. Oui, mais c'est du monde ouvert, hein. C'est un monde ouvert et non, l'entrée de l'autre côté. Oui, mais ce style de jeu, voilà. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'à mon avis, par la suite, je prendrai certainement le prochain Call of Duty. J'ai vu également le mode zombie. Il avait l'air plutôt pas mal. J'ai vu des vidéos sur YouTube. Et franchement, le monde zombie, il a l'air vraiment super sympa. Donc c'est là-bas. Moi, je suppose que tu l'as déjà testé, à mon avis, Johan, le monde zombie. Tiens, tu bois un petit peu le. Au niveau de. Je sais pas si tu as commencé le mode la campagne également. Ou t'es parti tout de suite sur du multi. je sais pas si le mode campagne tu l'as démarré ou pas, je sais pas si tu l'as fini ou bah je sais que t'es un grand passionné de cette licence. Voilà. Ah, tu désirais me voir? Ainsi que l'a ordonné Sigurd, il nous revient d'étendre notre présence en Angleterre. Il veut forger des alliances solides avec tous les gens du Nord, Danois et Saxons qui vivent ici. Oui, nous venons d'ailleurs. Il sera utile de se faire des amis. Par où commencer? Mes éclaireurs m'apportent chaque jour des nouvelles et informations intéressantes, et je commence à me faire une idée de cette contrée divisée. Au fur et à mesure, je pourrais te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Entendu. Non, tu l'as pas encore fait, Yuan, d'accord. Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. D'accord. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on? Deux possibilités s'offrent à nous. Rejoindre Sigurd dans le Leicestershire, au nord, et rencontrer les fils de Ragnar Lodbrok, ou aller au sud dans le Grand Britshire pour rencontrer une armée de Danois menée par un Jarl du nom de Guthrum et son bras droit Soma. Je dois ajouter que notre jeune ami Aitam a échangé avec ses propres contacts au sein des villes.
Ses recherches pourraient nous aider à nouer des alliances dans les villes d'Angleterre. Va le voir pour savoir ce dont il a besoin. Ah d'accord, le mode campagne est génial, mais je suis juste au début. Ouais, c'est un peu ça, je le prendrai principalement certainement plus pour le mode campagne, parce que moi du multi je suis pas bon du tout. Mais vraiment pas, à moins que je trouve quelqu'un qui puisse m'accompagner dans le mode multi. Bon, ça sera sur PC, hein, voilà, ça sera sur PC. Mon PC est tellement longtemps qu'il y a pas que je l'ai pas mis en route, mon PC de jeu. Donc ça sera l'occasion de le faire tourner un petit peu et puis de changer un peu style de jeu. Hein. Voilà. Mais j'attends vraiment d'attendre de finir The Last of Us. Et ensuite je partirai certainement. Je continuerai Valhalla à mon avis. Et puis je partirai sur du Call of. Hein. Voilà. Il y a tellement longtemps que j'en ai pas acheté de Call of Duty que ça. Voilà, c'est franchement pour peu ce que j'ai vu. Il a l'air vraiment pas mal. Ils ont vraiment amélioré un petit peu. Ils sont un petit peu revenus un petit peu sur les bases d'avant des Call of Duty. Ça, c'était des trucs qui me plaisaient bien avant. Hein. Voilà, quand ils ont commencé un petit peu à trop moderniser, à trop partir dans le futur et tout ça, j'ai vraiment moins apprécié. Et là, ils sont repartis sur des bonnes bases, en fait. Voilà. Enfin, on verra bien. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous le verrez. Si tout va bien, je lancerai certainement. Je ferai un live dessus. Hein, voilà. J'aimerais voir la carte. Allez. Des alliances. Oh là, dans quoi ça va ici? On va dans des cartes des alliances. Je sais pas à quoi ça va correspondre. Pour que la colonie prospère en Angleterre, votre clan doit conclure des alliances. Convoiter un territoire pour confirmer votre souhait d'alliance. Au fil des engagements et des alliances, d'autres territoires deviendront disponibles. Ouais. Bon, j'ai pas tout pigé. Alors, Canterbridge. Non, je sais pas si ça se prononce comme ça. Bien foutu quand même. Il y a vraiment des trucs qui ont été rajoutés. C'est vraiment bien fait, je trouve. Bon, à mon avis, je vais être perdu. J'espère que j'aurai un peu d'aide, hein, de viewers qui ont eu la chance de bien avancer dans le jeu. J'espère que par la suite, il y aura quelques personnes qui pourront m'aider. Mais sinon, on verra. Hein. Dans le pire des cas, j'irai voir des vidéos YouTube. Je suppose qu'il y en a qui commencent déjà à en avoir pour donner quelques explications sur le bon choix et le bon fonctionnement de ce jeu. Hein. Voilà. Ah bah les Black Ops, oui les Black Ops, j'ai encore les Black Ops en version boîte. Faudrait que je te fasse voir un coup, j'essaierai de mettre une photo sur le Discord. Mais c'était sur PC, mais je les ai encore gardés. Hein. Ces fameux Black Ops, c'est vraiment... C'était mes préférés également. Que les Saxons, voilà, appellent l'armée d'été, campe au nord de Grantebridge, près des ruines, sur l'autre rive. Nous devrions cultiver les faveurs de ces chefs, Guthrum et Soma, si nous voulons gagner leur confiance et leur allégeance. Mes éclaireurs ne les ont pas rencontrés, alors je ne sais que peu de choses sur l'état de cette armée. Considère cela comme un point de départ. Je vais aller dans le Canterbridge. Ouais, voilà. Allez, c'est parti, le couteau est planté. Je vais partir tout de suite. Bien. Et puissent les bénédictions de Freya t'accompagner. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Je ne sais pas. Indiquer l'intérêt d'un nouveau territoire sur la carte des alliances de la colonie. Waouh, c'est quoi ça? Magasin d'Animus, 300 crédits d'X, vous avez été... quoi? J'ai pas vu. Ça va trop vite par contre, les petites animations comme ça sur le côté droit. Là, ça, j'ai vraiment pas le temps de lire. Alors, je dois trouver les chefs d'armée, bien sûr, leur parler. Le campement est au nord de Grantebridge, dans les ruines, sur l'autre rive. Donc, on va certainement devoir prendre un autre bateau, je pense.
Alors, je sais pas si c'est une mission que je peux faire tout de suite, je n'en sais rien, parce qu'au départ, faut pas oublier, on devait améliorer mon écurie, je devais améliorer également pas mal de choses dans mon bivouac. Alors, est-ce que c'est une priorité ou pas? Je n'en sais rien. Parce que là, on part dans des quêtes secondaires, on dirait. Ouais, j'ai l'impression. Ça a demandé d'aider pour des tâches très importantes. Alors, je sais pas si je vais faire un peu de secondaire, je n'en sais rien. Je sais pas du tout. Je sais pas sur vraiment... Ouais, ça, ce sont les quêtes secondaires, à mon avis. Je pense... Alors, perso, j'ai tous les Call of. Moi, ouais, je m'en doute, Johan, je m'en doute bien. Les Black Ops 4 qui est le Battle Royale, d'accord. Je suis pas trop Battle Royale, moi. C'est pas trop mon truc. Hein. Je sais pas sur vraiment sur quoi partir. Mais vraiment pas. Je vais aller lui parler, lui. Je vais aller parler à lui pour voir un peu. Je sais pas ce que ça va m'apporter. On va aller voir ça. Aitam, Ranvi m'a demandé de venir te voir à propos d'amis dans les villes d'Angleterre. En effet, Lunden, Jørvik, Winchester, les trois villes sont infestées par des membres de l'ordre auquel appartenait Kjotve. Mais son influence s'exerce bien au-delà. De toutes les contrées de ce monde, je crois que l'Angleterre est la plus touchée. Génère-t-il les mêmes troubles que ceux que causait Kjotve en Norvège? Tu dis ça, j'ai déjà fait... Il répand un fléau d'illusions et incite hommes et j'ai femmes déjà fait du à Fortnite, s'abaisser hein, et avec mes viewers. Hein. L'affaire j'ai fait un live sur Fortnite. Bien entendu. Ce qu'on ne voit pas, vous aurez d'ailleurs l'occasion de le voir sur YouTube. Des hommes de toutes les entraves autres que naturelles. Mais cela fait plus de 4 siècles que j'ai dû faire un ou deux lives, pas plus. Ceux qu'on ne voit pas n'y agissent plus depuis la chute de l'Empire romain. Cette absence a permis à l'ordre des anciens de croître, d'espérer. Notre tâche promet d'être difficile. Mais si nous avions un bureau, Basim et moi pourrions nous mettre au travail. Si tu as le temps et les moyens d'en bâtir un, nous te serions très reconnaissants. Je vais voir ce que je peux faire. Il y a plein de choses à bâtir. Hein. Waouh. On a des choses à faire. On a à construire là. Montre-moi. Ouais, il y a trop de choses d'un seul coup qui arrivent là. À mon avis, je vais me perdre. Ah, je peux. Il y a une échoppe de tatouage. On continue à faire le tour. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Hein, ne vous inquiétez pas. C'est normal. C'est le début du jeu. Maison de Maïda. On va aller voir tout ça en fait. On va faire le tour. On va voir un petit peu ce qu'on peut. Cartographe propose des cartes indiquant des emplacements des objets. Oh, ça peut être bien. Allez, on va le voir lui. J'ai vu la du bivouac, il est énorme. Il y a énormément de choses à aller voir. Hein. Je suis désolé, pour l'instant, je vous fais pas voir grand chose. Mais je peux pas faire sans faire le tour de ce bivouac. J'ai pas trop envie de partir sur la carte principale et faire n'importe quoi. Voilà. Je préfère plutôt prendre le temps vraiment de bien étudier le début de cette campagne. Voilà. Il est où j'ai mis le point. Attendez, il est où? Il est à 53 mètres. C'est quoi ce jeu Fortnite? Mais il est en train de s'essouffler là. On est un petit peu en train de s'essouffler du Fortnite. Il y a encore des joueurs, mais je pense qu'il est en train de s'essouffler un peu là. Il me semble, c'est ce que j'ai entendu dire. Hein. Il est de moins en moins streamé. Mais là, il y a Call of Duty qui vient d'arriver. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont partir sur Call of. Hein. Je pense. Bon, ce qui me déçoit un peu, c'est un peu la communauté hein, des
niveau de la communauté Call of Duty, je trouve qu'il y a des joueurs, certains joueurs, c'est un peu des poisons, c'est je sais pas. C'est pas ce que je peux. Mais bon, ça on fait abstraction à ça. Si je vous dis, si j'ai envie de faire du Call of Duty, je le ferai. Je me perds, je sais pas où aller. Bon, la priorité, ça sera le mode campagne et certainement un peu de mode zombie, à mon avis. Voilà, là je me suis inscrit là sur Instant Gaming. Ils ont en rupture de stock. Voilà, pour l'instant, en rupture de stock. Donc, j'ai mis une alerte mail. Mais dès que j'ai l'occasion de le prendre, je le prends. Hein. Voilà, je le prendrai sur PC. Il y a trop de sorties qui vont arriver. En plus, il y a encore Cyberpunk aussi. Mais non, c'est complètement en fait là. Attendez, c'est pas ça. Je suis perdu. Ah, mon GPS est défectueux. Ouais. Le GPS est défectueux. Ouais, après c'est tellement grand. Ah voilà. Voilà, regardez, il y a juste la tête à lever et puis le marqueur est juste là. Bien fait aussi ce système là. Ce système de carte. Là on va sur la cartographie, il me semble. Hein. Attendez. Là, ici. Bah, je suis passé devant. Est-ce que j'ai bien mis mon marqueur ou pas? Non, mais je pense que je suis planté. Ah là là, c'est pas bon ça. Alors attendez, on revoit. Sois un peu. Yeux, non, c'est pas ça en fait. Ou c'est peut-être plus tard que ça va se construire, peut-être, je sais pas encore. Bon, par rapport à... Ouais, je sais pas, peut-être que ça va apparaître plus tard tout ça. C'est des emplacements et peut-être par la suite on va pouvoir le construire, je n'en sais rien. Je suis un peu perdu, j'avoue. Vous pouvez acquérir... Alors attendez, on va aller voir là-bas. Écurie. Je pense qu'il me manque des éléments pour l'écurie si mes souvenirs sont bons. J'espère qu'il sortira en principe en décembre, ouais. J'espère parce qu'il devait sortir en septembre, il me semble, Cyberpunk. Mais c'est pareil, j'ai envie de le tester, ce jeu. C'est un univers, j'aime bien, c'est fantastique, c'est un petit peu un univers qui me plairait bien, quoi. On verra bien, on va voir un peu. J'entends un petit peu les retombées des joueurs avant de me le prendre. Voilà. Eh ben voilà, je vais pouvoir bâtir. On va pouvoir bâtir l'écurie et la volière. Voilà. C'était en septembre, Johan, qui devait sortir. Et ben voilà, bâtir des bureaux de ceux qu'on ne voit pas. Cool. Je veux entraîner ma monture. Montre-moi ce que tu as. Puis allez, on va aller voir. Voilà. Alors moi, je vais prendre ça. Ça a été offert avec le code. Hein. Les talons tribal, ça a été rajouté avec un code. Et ça aussi, le Hati. Ça me paraît un peu irréaliste, hein, de toute façon. Voilà, tout le monde ne l'aura pas, ça. Hein. Le Hati et le talon tribal. Voilà, c'est étant donné que j'ai pris une édition limitée lors de l'achat du jeu. Ah, oh, le Cédule est bien mieux. Il est bien mieux que le corbeau, déjà c'est un genre de corbeau, les corbeaux j'aime pas. Donc j'ai pris mon Cénu, voilà. C'est un genre de toute façon le Cénu c'est un genre d'aigle tout simplement. Hein. Et je vais prendre ça. Le Hati, voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que je l'ai pris? Oui, je suis équipé. Et je suis équipé également du Cénu blanche.
ce nu, voilà. Ah, tu l'as galé sur PC, Johan ? Ah, tu peux pas essayer de t'arranger avec la personne qui a fait le concours pour le changer ou autre ? Faudrait que tu essaies de contacter la personne. C'est lors d'un concours, je pense que tu as gagné ça. Voir un peu si tu peux pas le changer, mais bon. Après, tu me le dis, hein, si éventuellement tu le revends, tu veux revendre la clé, il n'y a pas de souci, je suis prêt à te le reprendre. Hein. De toute façon, que je le reprenne à tout bas ou bien que je l'achète sur Instant Gaming. Voilà. Et n'hésitez pas à me le dire, pourquoi pas. Montre-moi ce que tu as. Je veux entraîner ma monture. Faire un peu de dressage. Bien entendu. De toute façon, en tout cas, je suis intéressé par ce jeu, donc voilà. Parce que je sais pas, au niveau PC, je pense qu'à mon avis, tu as pas. Je m'en souviens plus si tu as un PC de guerre, parce que Cyberpunk va demander énormément de. Va falloir une bonne machine. Pour le faire tourner, déjà moi, mon PC, j'ai un peu peur qu'il tourne, commence un petit peu à ralentir. Surtout au niveau de la carte graphique. Le processeur, ça peut encore fonctionner, mais c'est la carte graphique qui commence à être un petit peu âgée. Hein. J'ai une 1080 Ti, donc ça commence à être un petit peu plus difficile. Leçon de natation, formation, tous les montures peuvent nager. L'endurance, l'efficacité de toutes les montures a augmenté. Accroissement de la santé de vos montures. Je ne sais pas ce que je vais prendre, moi. Parce que ce sont des leçons que tu payes en plus. Voilà. Voilà, tu vois, Johan, si tu vends franchement à moi que tu veux faire plaisir à quelqu'un, hein, à quelqu'un d'autre, hein, y a pas de souci. Si voilà, je t'en parle comme ça parce que tu l'as gagné sur PC. Après, j'espère pour toi que tu pourras faire un échange du fait que c'est un lot que tu as gagné. Voilà. N'hésite pas à m'en parler. Tu sais que je suis intéressé éventuellement pour te le reprendre. Voilà. C'est toi. Il n'y a que toi qui pourras voir. Hein. Voilà. Ah, t'as pris le Shadow ? Ah bah ouais, donc nickel alors. Ah ouais, non, bah là tu vas partir sur du lourd. Ah ouais, le Shadow est pas mal, franchement c'est plutôt pas mal. Ce sont des bonnes machines et non bah là le souci est résolu alors. Si tu as pris le Shadow, c'est impeccable. Ouah, tu vas pouvoir te faire plaisir alors, Yohan. Y a pas de souci. Voilà, donc je retire tout simplement ce que je t'ai dit. Il n'y a pas de souci. Je m'en souvenais plus si t'allais avoir un PC ou pas. Voilà. Ouais, je vais prendre ça, la natation. Allez. Ah, tu montes très bien, Eivor. Voilà. Par contre, ça coûte cher tout ça. Allez, on va prendre de l'endurance. Tu as besoin d'autre chose ? Non, j'en ai assez, j'ai dépensé assez. Je pense qu'à mon avis, on a largement assez pour. Au revoir. Voilà. Une très belle écurie maintenant. Seigneur, regarde. Moi, je connais le principe du Shadow. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien ce qu'ils font. Ce sont des PC à la location et je trouve que c'est vraiment intéressant. Parce que par rapport à la config que Shadow. Le fait de payer tel et tel prix par mois, ça te permet vraiment de pouvoir se faire plaisir sur des jeux, les jeux les plus récents. Je pense que même tu peux le faire évoluer. Il y a cette possibilité là de le faire évoluer tous les ans. Voilà. Et il me semble que ça te coûte strictement rien du tout en fait. Voilà. S'ils veulent te changer ta carte graphique par la suite, il me semble, hein, je sais plus vraiment. Mais avec Shadow, je pense que ça fonctionne comme ça. Voilà. Alors peut-être que je dis des bêtises. Mais j'en avais entendu parler de ce système de PC à la location. Voilà. Ouais, bah, je m'en doute bien, Johan. Bah, les jeux sont quand même moins chers, hein, sur PC. Hein. Beaucoup moins chers. Et puis tu pourras... pourquoi pas prendre l'abonnement Game Pass également. Game Pass PC. Maintenant, ils l'ont fait sur PC. Il y a uniquement PC. Pas que console. Tu peux avoir un peu plus de 100 jeux à peu près. Hein, pour l'abonnement.
Et après, tu as l'Ultimate. Qui, ça fait que tu as les jeux sur Xbox et sur PC également. C'est ce que j'ai pris, moi. Voilà. J'ai l'abonnement Ultimate. Ultimate, ou bien, je ne sais pas comment on peut dire en anglais. Voilà. Bon. Je vais aller voir là-bas. On va aller voir là-bas. Apparemment, je peux bâtir un... Ici, on va voir ça. Oh, j'ai passé. J'ai plus rien. Il va falloir, à mon avis, attaquer un village. Le pillage est le moyen le plus sûr d'acquérir des trésors et des matériaux afin de bâtir notre colonie. On va les piller. C'est ce qu'on va faire, les amis. Voilà, je vais aller voir un petit peu ce qu'on peut aller piller. Il me semble que c'était possible. Ouais, ici ça fait loin là. Ici. Alors ici on peut aller également. Alors attendez. Un peu perdu. Là ici on peut également faire le pillage. Alors... Là, il demande une puissance suggérée 160. Bon, on va essayer d'aller attaquer ce village. Lincoln. Ouais, je pense que c'est ça. On va se TP pour prendre le bateau, forcément. Voilà. Et on va aller voir ça. N'hésite pas, si tu as besoin de renseignements, Johan, concernant le Game Pass, etc., n'hésite pas à me les poser. Voilà. Ouais, il y a longtemps que je suis abonné au Game Pass. Hein. Et il n'y a pas très longtemps qu'ils font le Game Pass uniquement PC. Il n'y a pas très longtemps qu'ils font ça. Moi, je trouve que vraiment, Microsoft, de ce côté-là, Ils ont fait vraiment quelque chose de génial, le fait de payer au moins un genre d'abonnement, un petit peu comme à Netflix, hein. C'est un peu ça, hein, on va dire. C'est un peu dans le même genre. Hein. Et le fait de pouvoir tester plein de jeux, comme ça. Soit sur Xbox ou sur ou PC, c'est vraiment génial. Allez, au fil des flots. Eh ben on y va les amis, on va les piller. Alors on en a ici 1530. Tu l'as, elle est pas très loin par contre. Ah, impossible de dévoiler la voile. Alors par contre, par où je vais pouvoir passer? Le vent peut nous porter, Eivor. Bon, on va aller attaquer là-bas, attendez, que je dis pas de bêtises quand même. Que je fasse pas n'importe quoi pour pas, au niveau puissance, un peu, voir un peu ce que ça peut être. Alors, attendez, oh là là, je suis perdu. Là, ça fait un peu loin, là. Ici, peut-être, pourquoi pas, passer par ici, ouais, attaquer ce village-là. Puissance 220. Je ne connais même pas ma puissance en fait. Je sais même pas comment je peux éventuellement en faire. Oh, je vois pas du tout. Ouais, celui-là par contre il est plus près. 160. Ouais. On va prendre celui-là. 160, je pense que je vais faire demi-tour. On peut faire demi-tour ou pas? Oui. Hey, arrête ça! Je regarde le chat et puis en plus je fais pas attention. Désolé. Ouais, ça va pas bien. Suivre le cours d'eau. Impossible de hisser la voile ici. Non, mais c'est pas grave. Sur les gars pour rejoindre la... Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Hein.
On peut utiliser la voile dans ces eaux. Franchement, graphiquement, il est beau quand même. Alors, je sais pas si les nouvelles sur les nouvelles consoles de sur la série X, il doit, à mon avis, doit envoyer du lourd. Hein. On se rend là-bas en principe. Là, le campement là, 1100 mètres. Voilà. Là, on a cette fameuse vue panoramique également. Vous voyez. Allez, on se rapproche du. On se rapproche de l'endroit où on doit aller piller. Ça va assez vite en bateau. Hein. Voilà. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Voilà, après il y a des campements également. Regardez toutes les ressources qu'on peut obtenir ici. Alors ça, ce sont le genre de trucs que je ferai en dehors de Twitch. Voilà. Parce que c'est pas peut-être ce qui est le plus intéressant à voir. On se contente un petit peu d'avancer un peu sur la quête principale. Enfin, du moins j'essaye. Voilà. Voilà. De toute façon, je continuerai à y jouer en dehors de Twitch. Hein. Je suis un peu obligé. Étant donné que le jeu va être tellement long à faire que voilà. C'est quoi ça en fait? Aide-moi, deviens mes yeux. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Ouais, c'est pour peut-être. D'accord. Non, on va aller là-bas, on va aller piller le village. On va aller voir ça. Parce que j'ai besoin de ressources pour bâtir le bureau. Ouais, c'est peut-être des endroits pour. Bon, on va aller vérifier. Ah, d'accord. On peut aller piller là, d'accord. Ouais, ce sont des campements, vous voyez. Ce sont des campements à aller piller. Ouais, bon, on verra ça par la suite. Sur le retour, peut-être. Sur le retour dans mon bivouac, je ferai ça plus tard. Voilà. Ouais, j'ai accroché. Ouais, c'était quoi? On a tapé. Voilà, là on va vaut mieux attaquer un village. Un monastère. Il contient sûrement des richesses. Voilà, donc c'est des monastères. Le navire doit être dirigé vers la côte. D'accord. Ok. Donc à mon avis je dois faire le tour, je pense, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais? D'accord, ok. La voile, c'est bien. Allez. Voilà, il y a possibilité de le mettre en pilotage automatique. C'est ce que je cherchais justement. Voilà. Gardons ça pour plus tard. Regarde, un monastère. Attendez, par contre, il s'en va où là? Ouais, mais tu pars où là? Ah non, mais c'est là que je dois aller moi. C'est pas. Pourquoi il part dans ce sens là en fait? Non, mais j'ai pas compris. Non, c'est ici que je dois aller, là. Ici. Hop, allez, la voile. Stop. Oh.
Allez, c'est parti. À l'attaque. Ça va être top, ça. Chargé. C'est excellent. Ah, ils ont eu le temps de nous voir arriver, hein. Ah, c'est bien fait quand même. J'adore cette ambiance là, moi. Prenez l'or du Christ et brûlez sa maison. Ils se sauvent. Regardez. Regardez les moines. Oh, c'est excellent. Allez, on y va. Un coup de main par ici. Allez, on va défoncer la porte. Ouais, forcément. Regardez-moi faire. Oula, oula, oula! Ouh! C'est quoi ça? Ok, j'avais pas vu! Ouah, le monstre! D'accord, ok, superbe! J'avais pas du tout vu qu'il y avait un malabar comme ça dans cette chapelle. Ah, ça a piqué! Alors attendez, le live passe quand? Parce que là j'ai plus de. J'ai l'impression que ça mouline un peu. Ah ouais! Un petit peu de perte d'image, j'ai l'impression. Les réseaux commencent à saturer, hein. on est week-end. Bien que j'ai la fibre, mais je vois que ça, ouais, ça a coupé un peu là. Ça mouline un peu dans la spoule, là, on va dire. Je sais pas si vous m'entendez encore d'ailleurs. Bon, ben on recommence. Un monastère, j'aurais pu sauvegarder. Qui attend qu'on vienne de piller. J'ai vraiment foncé tête baissée là. Et je m'attendais pas à retomber sur un colosse comme ça. En plus je cherche encore après au niveau de mes touches. Ah ouais, d'accord, c'est ça pour me protéger. J'ai changé de côté, ok, d'accord. C'est moi qui ai changé simplement le son de mon bouclier. Ok. C'est pour ça que je suis un peu perdu. D'accord. Oh, tu m'entends? Ok, bah c'est génial. Merci Yon. Bon, bah, on va essayer de jouer autrement. Les débuts, hein, généralement, quand je commence un jeu, je galère tout le temps. Bien de niveau Ubisoft Connect. Et brûlez le reste. Allez, on brûle tout. C'est parti. Je n'y arriverai pas seul. Mais on pense tenir encore longtemps. Dieu ne nous laissera pas perdre. Non. Tu as peur. C'est un peu plus dur à avoir. C'est un petit peu plus compliqué à avoir. Oh joli. Joli, il a perdu la tête. Alors là on a affaire à... Allez les frères. Ouais, c'est quoi ça? Je suis mort. Je suis mort. C'est quoi ça? Oh,
j'ai pas vu arriver, on recommence tout. Bah je pense que la chapelle on la fera plus tard. Je m'entendais pas retomber sur un... Ouais les esquives, je... Et puis le problème c'est que j'ai changé le sens de mon bouclier, donc je vais aller voir mon inventaire pour le changer de côté. Le bouclier je le mettais à gauche, là j'y mets à droite, donc je suis perdu pour pouvoir me protéger. Mais j'ai pas eu le temps là, il m'a complètement foncé dessus. Ça va piquer. Là franchement je pense que dans les attaques ça va piquer. Il va me falloir un bon temps d'adaptation. Ouais, rip. Alors attendez, une chose avant tout. L'inventaire. Alors est-ce que ce camp je peux le faire? Est-ce que j'ai la puissance nécessaire? Je me le demande d'ailleurs. Est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Parce que j'ai une puissance de 27. Ah non, je peux pas le faire, c'est trop compliqué. Hein. Je pense qu'à mon avis, là je pars sur une mission. Mais ça c'est un peu dommage de toute façon, même si c'est le cas. Si j'ai pas assez de puissance, le fait de pouvoir aller piller ce village. Parce que chaque village, apparemment, il y a une puissance nécessaire pour pouvoir l'attaquer. Il devrait l'indiquer peut-être. C'est peut-être un défaut ou c'est moi qui n'ai pas bien compris. Bon, on verra bien, on va voir un peu. Vous voyez là, je l'ai mis à... Je l'ai pas mis dans le bon sens en fait. Modifier. Donc là il faut que je mette la hache ici. Voilà. Et le bouclier ici. Voilà. On va un petit peu changer les... Au niveau des positions. Voilà. Voilà, je préfère comme ça. Voilà. Ça c'est mieux. On va même vérifier quand même. Puissance 160, donc je peux pas l'attaquer. Moi j'ai une puissance de 27. C'est ça que je comprends pas. Attendez, je vais vérifier. Ouais, non mais j'ai compris, c'est moi en fait. Je me suis complètement planté en fait. Ce village là, j'ai pas la puissance nécessaire. Donc on y va pas, c'est pas la peine. Voilà, j'ai une puissance de 27 et là j'attaque un village... Voilà, ouais d'accord, je comprends. La 90. Je comprends un peu mieux comment ça se passe maintenant. Quand il est question d'aller piller. Voilà, là c'est une puissance 20. Voilà, j'ai vu grand là. Ah, c'est du 20 aussi. Mais c'est un petit peu dommage qu'ils l'ont pas indiqué de dire attention là vous partez dans un village. Vous êtes puissance 27 là, pour l'attaquer il faut du 160. Mec c'est marqué dessus hein. On est bien d'accord, c'est marqué dessus, c'est à moi à faire attention. Mais il devrait l'indiquer quand même. Bon, bah non, on va abandonner ce village là, c'est même pas la peine. On va les piller ailleurs, hein, je pense. Parce que là c'est la mort assurée. Hein. À la limite, pourquoi pas aller faire celui-là peut-être. Ouais. Je pense que je vais aller faire. On abandonne, au revoir. Non, non, revenez là. Revenez avec moi. Ah, ils sont restés dans l'eau. Allez, ce village on laisse tomber. On ira plus tard. On ira beaucoup plus tard parce que là j'ai pas la puissance nécessaire. C'est une petite aperçue. Voilà, donc je vais voir un peu par rapport à la position de la carte. Comment je vais faire pour pouvoir y aller. Ah, ici. Bon. On est peut-être sur la bonne route. Alors ici, 850 tonnes 9 mètres. Je pense que ça doit être bien. Ah, voilà, je vous dis un peu hein, les débuts de jeu, généralement, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre un peu comment ça fonctionne. À la force d'y jouer, voilà, vous allez voir, ça va aller tout seul. Ah, à mon avis, je crois encore des erreurs, je pense. On va aller là-bas.
pense qu'il faut passer par là. En tout cas, merci Johan de m'accompagner sur le live. On n'est pas très nombreux comme d'hab. Et merci à toi de m'accompagner cet après-midi. Enfin, en cette fin d'après-midi, on va dire. Voilà. Alors demain, il n'y aura pas de live demain. Il n'y aura pas de live du tout. Lundi non plus. Je pense reprendre mardi. Voilà, là on est dans quelque chose d'un peu plus raisonnable au niveau du village. J'espère. J'espère que c'est bon. Voilà. On continuera plus Regarde, tard. Regarde, c'est l'un de leurs riches temps. Nous allons nourrir les corbeaux aujourd'hui. Attendez. On est bien sur du... Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'on est bon là. J'espère. Largé. Ah, je kiffe ce jeu quand même. On a beau dire, j'aime bien. Odin s'empare des âmes et nous de l'argent. Allez, c'est parti. Ah, j'aurais pu te piétiner. Dommage. Cher. Il est mort lui. Non. Odin te tient. Ouais non mais graphiquement il est super beau. Et on est on est sur la One X, hein, on n'est pas sur la série X. Hein. Là la musique c'est pareil, elle est vraiment jolie. Allez, on va être lui. Comme côté. Ah, puis j'aime bien ce jeu, ce genre d'ambiance. Hein, c'est. Allez, on va continuer à avancer. Pas si on peut aller. Oh. Non, juste à mon côté. J'ai encore du mal avec les esquives, hein. Et avec... Oula, oula, oula. Prendre du soin. On prend du soin. Je tire à côté. Voilà. Là, je vais pouvoir... Voilà, je pense qu'il va falloir que j'utilise énormément mon arc. Parce que vous voyez, au corps à corps, j'ai encore beaucoup de difficultés à me protéger, à contrer les attaques. Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Même les petites lames font des ravages. Ah, je tire à côté. Il faut déséquilibrer cette crevure.
percer. Ah, je peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. Je ne peux pas tirer à l'arc. Belle la musique. La musique est super belle. Allez, on va aller fouiller là. Allez, j'ai besoin d'un coup de main. À mon avis, ça va être défendu certainement par des soldats. Hop, 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 hop. Ça va être chaud. Il est mort. Il est mort. Ok. Allez, on pille. Yes. On va essayer les cartes du marais. Ok. Ah, petit souci avec le gameplay là. Cela ne manque pas de butin ici. Oh, ça je l'ai lu. Ici. Il me faut de l'aide, Eivor. Allez, là on est en train vraiment de forcer le coffre. Vous voyez, ça passe mieux quand même, hein. On est quand même un peu mieux au niveau de l'attaque de ce village, parce que tout à l'heure on était parti sur du 160. Là, ça piquait. Allez, on récupère des flèches. Nickel. Bon, on va continuer à fouiller ce village. Pourquoi je dois aller là-bas? Je vais voir, il y a un petit point d'exclamation là-bas. Je sais pas ce que c'est. Oh. Depuis l'autre côté. De l'autre côté, d'accord. J'ai besoin d'aide. Allez, on y va. Ici. Belle cette musique, je kiffe cette musique. Par ici, vite! Comment il a fait pour passer un bon moment lui? Comment il a fait pour passer un bon moment? Je sais pas. J'ai pas compris. Un petit bug dans le jeu. Allez, matière première, ça c'est bon pour moi, pour mon campement, pour mon bivouac. Ok. On n'avait rien à récupérer par ici. Ah si, là. Je suis full au niveau des flèches. Voilà, on est bon. Mais arrête de crier, je vais pas te faire mal. Elle est en pleine panique cette dame. Alors ici, ça c'est fait. Citouillant, voilà. Ah, j'ai le son qui vient de sauter au niveau du casque, j'espère que c'est bon pour vous. Parce que je sais qu'hier j'avais des petits soucis avec le micro. Waouh, regardez.
Voilà, nickel. Faut vraiment fouiller partout, hein. C'est un peu sombre. Aller là-bas, apparemment il y a encore des soldats là-bas, on a un point jaune là-bas. On a encore quelques trésors à les piquer là-bas. Là-haut, on va certainement rentrer dans cette bâtisse. On va passer par là. Qu'est-ce qu'elle est belle cette musique, franchement je kiffe. Allez. Hop 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 hop, tu te calmes toi. Avec moi mon frère. Prends ton dernier souffle. Il est mort, il est mort, il est mort. Ne lui laissez pas le temps de respirer. Ouh, c'est quoi ça? Ton destin est là. Non, voilà. Cette vipère ne peut pas gagner. Te fatigue. Il est mort. Non. Ne perdons pas de temps. Il est pas mort. Il y en a plusieurs en fait, comme ça, avec une masse. Toi, t'es mort. Là. Il y a tellement de ressources à récupérer. Je sais pas où aller en fait. Tellement qu'il y en a. Il y en a partout. Ah, là-bas. Désolé si je vous réponds pas tout de suite à vos messages, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis encore là. Je ferai vraiment mon maximum pour vous répondre. Il faut venir m'aider. Voilà, là, ça demande beaucoup de concentration quand il y a du monde, que quand ça arrive comme ça de partout. Voilà, ça court dans tous les sens ici. Laissez ce sac. Voilà, lui il va me faire mal. Je sens qu'il va me faire mal lui. Assez joué. Il va partout. J'arrive pas à viser. J'ai tendance à tirer à côté avec les flèches, hein. Mais vraiment. Approchez-le et laissez-moi de là souffrir. Je vais approcher ton cadavre. Protégez mes arrières. Tu aurais dû filer, petit lapin. Ah, position de caméra, t'es pas bonne. Il est mort, il est mort, il est mort. Mais bon, il est mort. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, au niveau des combats, je précise tout de suite, j'ai tout mis par défaut. Voilà, je suis en viking, mais par défaut. Enfin, tout y était mis par défaut. Au niveau du mode de l'histoire, il y a plein de possibilités. Hein, au niveau de la difficulté. Voilà.
Allez. Du coffre. Je préférais plutôt pas trop me prendre la tête dans les combats au corps à corps, tout ça. Je suis pas non plus un grand spécialiste. Cette difficulté là, on peut la changer. Hein. On peut la changer comme on veut. Soit la descendre, soit la rendre un petit peu plus difficile au niveau des combats, surtout. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a certainement récupéré tout ce qu'il fallait dans ce village. Étant donné que la musique n'est plus là. Bon, je m'éclate. Hein. Franchement, je vous dis tout de suite, je m'éclate sur ce jeu. Alors peut-être, bon, c'est peut-être pas, je vous dis, c'est peut-être pas le goût de tout le monde, mais hein, là on a encore des ressources là-bas en bas. On ira voir. Peut-être utiliser un peu le... Ici, on en a là. Non, ça c'est pas ça. C'est quoi ça en fait? Je sais pas ce que c'est ça par contre. Tu te sauves, toi? Non, c'est pas un ennemi, c'est rien, en fait. Qu'est-ce que tu vois? J'ai pas compris. Ce panneau, là, lumineux, ça sert à quoi, ça? Ici. C'est quoi exactement, ça? Alors, soit c'est un souci avec le jeu, je sais pas. Pas à quoi ça correspond. Inspecte les alentours, Sinine. Ouais. Alors, je vais prendre mon temps, hein, vous inquiétez pas. Je vais vraiment récupérer un maximum de choses hein, dans ce village. Voilà, on va pas se déplacer inutilement. Ici c'est pareil, voilà, il y a encore. C'est quoi ça? Des artefacts, d'accord. Ok, vous voyez. Plein de ressources aussi là. On va voir. Ah d'accord, Yohan, il n'y a pas de souci. Tu viens d'envoyer le message, il y a une minute. Ok Yohan, merci de ta présence Yohan, merci beaucoup. Merci d'avoir participé, je te souhaite également une bonne soirée, bon appétit. Et on se dit à bientôt Yohan. Merci beaucoup à toi. Passe une bonne soirée et à bientôt. Oh, moi je vais aller jusque... Bon, je pense que je vais aller jusque 19h30 à mon avis, ça serait déjà pas mal. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je pense que 19h30 ça sera bien. Ouais, on a des ressources par en bas. Je bafouille. Normal, ça fatigue. Oh, bah, ça pouvait par où passer aussi hein. Ah bah voilà. Je suis vraiment passé par là. Oh, ça peut être bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer ici? Piqué de Valkyrie. Ben voilà. Superbe. Ah, d'accord, Yohan. Ah, c'est Yoda qui est parti. Oh là là, je dis des bêtises. En plus, c'est Yoda qui s'en va. Ah, ben, j'ai vu deux Y. Donc j'ai vu deux Y en fait sur sur le chat. J'ai dit bah c'est Yohan. Voilà, j'avais oublié que Yoda était là, désolé. Merci Yoda encore, merci d'être passé. En tout cas je sais pas si t'es encore sur le live. Voilà, profite bien encore de ton week-end. Et puis à bientôt, prends soin de toi. Et au plaisir Yoda. Merci d'avoir participé. Alors ça c'est quoi? Protégez-vous de... Attendez, protégez-vous dans les airs et atterrissez sur vos ennemis. Ah, c'est cool ça. Ah bah on va le prendre, voilà. Et on va positionner ça. Voilà, on va mettre ça sur le A, voilà.
Et pourtant, je vous lis sur PC quand même. Hein. Mais bon, c'est pas des grandes écritures. Enfin, c'est un petit PC 15 pouces. C'est un petit peu mieux que la tablette. Hein. Parce que c'est vrai que quand je stream sur le dans ma pièce informatique, c'est une tablette. Mais là... Salut Fabs. Coucou Fabs. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. À un moment où on s'est pas croisé, j'espère que ça va en tout cas. Tout se passe bien pour toi. Alors, c'est vrai qu'après moi j'ai pas été énormément en présent non plus sur Twitch. Ça fait plaisir de voir un petit peu quelques anciens viewers repasser sur le live, ça fait plaisir. Voilà. Alors c'est quoi ça? Barricadé de l'autre côté, mais je pense qu'on peut la passer, non? Bah bien sûr. T'as pas besoin de... Un petit coup de hache. Et tout se passe bien. Voilà. Ah oui! Ah d'accord. Ouais, ça fait aller... Ah t'es au chômage du coup, Fabs? Ah purée, d'accord. Bah bon courage en tout cas, j'espère que... Cette solution de chômage va pas s'éterniser quoi. Bah c'est compliqué en ce moment. Hein. C'est vrai qu'avec cette histoire de Covid, voilà, il y a. C'est pas. Malheureusement, si on veut se relancer au niveau professionnel, c'est pas facile. Pas évident. Bon courage à toi en tout cas, Fabs. Et prends soin de toi aussi, hein. Voilà, sois prudent là-dessus. Ça. Ah, je l'ai vu un peu, tu étais un peu moins présent. Moi aussi c'est pareil. Hein. Vous avez qu'à regarder un petit peu le nombre de lives que j'ai fait dans les mois au mois d'octobre, là, septembre, octobre, novembre un petit peu plus, mais septembre, octobre. J'ai pas été énormément actif. Voilà, là c'est un petit confort, je stream de ma console. Je profite vraiment de me poser sur mon salon et bon, c'est pas un confort qui est négligeable quoi, voilà, c'est on l'apprécie plus. Alors c'est pas aussi beau, on voit pas, il n'y a pas de cam, il n'y a pas d'overlay, il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas tout ça. Le live est peut-être pas aussi beau que sur quand le fait de passer par une carte d'acquisition, mais bon, c'était un choix. Je sais que ce jeu-là va durer un petit moment. Donc je me suis dit, là on n'est pas sur du 40 heures, hein, on est sur du 100, 150 heures à peu près si je veux vraiment... Vraiment me faire plaisir à fond dans ce jeu. Donc voilà, donc je préfère vraiment j'ai préféré le prendre sur Xbox. Tout simplement. Voilà. Alors dans la sécurité j'aurais... Ouais non mais tu vas trouver. Ouais non mais c'est sûr et certain, dans la sécurité on en recherche tout le temps. Surtout à l'heure actuelle avec l'époque qu'on vit. Voilà, c'est un je suis sûr et certain que tu vas trouver pas de doute là-dessus. C'est un petit peu comme dans les dans le milieu médical, hein, voilà. Tout ce qui est personne qui cherche dans l'aide à la personne, etc. Les aides-soignantes et non mais il y a pas de chômage là-dedans, hein, voilà. C'est parce que c'est pas la bonne période quoi. C'est ça, c'est le souci. Il y a beaucoup d'usines à l'arrêt ou en télétravail. Ouais, je sais bien que c'est pas simple. Mais j'espère que pour toi ça s'arrangera en tout cas. Y'a pas de soucis. Alors je sais pas si tu l'as pris Fabs, ce jeu. Balala. Je le trouve pas mal. Bon, il y a des gens, ils auront des avis un peu différents du mien. Voilà, mais je le trouve vraiment assez intéressant, il est plaisant à jouer. Pour ce style de jeu-là, franchement, j'aime bien. Montre-moi. Alors, est-ce qu'on a encore des ressources à récupérer ici, dans cette zone? Là, on est sur du pillage. On essaie tout simplement d'améliorer notre bivouac. Voilà. Donc on pille les villages. Il y a quand même des bonnes ressources là-bas. Là-bas, bon apparemment il n'y a plus vraiment grand chose.
Paz, le téléchemin ça marche pas, dommage. Ouais. Tu l'as commencé? Ah bah c'est bien, c'est superbe. Qu'est-ce que tu en penses? Alors dis-moi un petit peu ton avis. Hey, quelqu'un peut m'aider? Alors est-ce qu'on a des trucs à piller ici? Non, apparemment non. Non, on est déjà venu piller ce coffre. Bon, ça va. Oh, puis j'aime bien l'univers du Viking. Donc pour moi, c'est que du bonheur, quoi, voilà. C'est un peu pour ça que je l'ai pris, d'ailleurs. Hein. Bon, moi, je pense que là, on est bon. Hein. Je pense qu'on est pas trop mal. Bon, apparemment, on a plus trop de ressources à aller récupérer là. Attends, faut trouver la sortie. Je sais pas si t'as bien avancé, je suis à peu près à 13-15 heures de jeu à peu près. Hein. Voilà. Enfin, je le dis encore 13-15 heures de jeu quand vous voyez quand même le. Je suis vite perdu. C'est surtout ça. Voilà pour les raisons des 13-15 heures de jeu. Un petit peu perdu au début quand même. Voilà, un peu perdu. Sur la gestion de l'inventaire, le principe, ce principe de d'améliorer ton bivouac, c'est un peu différent de ce que j'ai pu connaître. Donc moi je vais galérer sur certains passages quand même. Voilà. Par où on sort? De l'autre côté. Si. Ouais, je pense que je vais pouvoir sortir là. Je trouve qu'il est pas mal, j'en suis au moment où je vais... La lame secrète. Ça me dit rien. La lame secrète, je sais pas, peut-être que je l'ai fait. Là, je suis en Angleterre. J'ai pas trop de fervoir parce que j'ai pas envie de te spoiler, en fait. Voilà, donc j'ai pas trop de fervoir la carte, quand même, pour pas te spoiler, malgré tout. Là, on est sur de l'attaque de village pour améliorer ton bivouac. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que je vais quitter ce village. On a vraiment, vraiment pour récupérer. Bon, ça, c'est un peu plus éloigné. Là, on est sur le. On est vraiment sur le. Mon bateau est là. Ben, on va pouvoir y aller. Non, on a encore des ressources ici, regardez. On a des mystères là, ici, juste là. On a un petit mystère à faire là. Oh, on a encore plein de ressources en fait. Hein. Alors, est-ce que ça, on est vraiment obligé d'aller les récupérer ou pas, obligatoirement, ou on les récupère vraiment par hasard? Est-ce que c'est obligé? Je ne sais pas. Je sais pas ce que tu ferais, toi. Ah, t'es à la Norvège. Ouais, bah je te fais pas voir la carte, alors. Je ne te ferai pas voir cette ma fameuse map. Ouais, tu glisses un petit peu de... Ah, t'es encore en Norvège. Et que j'ai vraiment quitté la Norvège. Ah, faut aller là-bas, regardez. Donc c'est pas ça. On n'est pas dans l'obligation d'aller là. Pas mes yeux ici. Je sais pas. Je sais pas quoi faire vraiment si. Si vraiment, vraiment. Faut que j'aille récupérer tous ces morceaux de cuir et tout ça. Je vais quand même aller voir là-bas. C'est là ou bien? Est-ce que c'est ici?
deviens mes yeux. Alors, on a tendance à croire que les ressources sont juste là, et c'est juste dans ce bâtiment-là, et peut-être sont juste derrière. Voilà. Ah, je ne sais pas si je vais aller m'amuser à piquer tout ça. Je le ferai peut-être en dehors de Twitch, parce que sinon, on va pas avancer. Voilà, c'est pas... Là, on est sur de la richesse, plutôt, pour mon bivouac. Voilà, je pense que je vais quitter, je vais repartir, je vais prendre mon bateau. Voilà. Et on va continuer à aller piller des villages. Voilà. Hey, Palos! Ça suit non. Allez, on y va! J'aurai peut-être l'occasion d'y retourner, hein, ça y a pas de souci, on verra bien. J'ose pas trop te faire voir la map parce que bon, après ça te fait spoiler, voilà. Donc c'est pour ça, là on est un petit peu sur du pillage de village. Je retournerai à mon bivouac avant de couper le live pour pouvoir apporter toutes les ressources. Voilà. Voilà, voilà, hop. On va essayer de voir un petit peu. Ah par contre ouais là j'ai pas trop de choix, c'est vrai j'ai pas trop de choix, je suis obligé de mettre la map. Ouais je risque de spoiler un petit peu là Fabs. Ouais je suis un petit peu obligé de mettre la map là parce que je vais devoir regarder où il se trouve des villages à piller. J'ai pas trop le choix, désolé hein. Je suis un petit peu obligé. Alors là ici c'est 160. Oh là c'est du 160, c'est pas possible pour moi. Après il faut aller là-bas. Là on est sur du 20, on va aller faire ce village là. On y est vite arrivé en bateau hein. Ça paraît un peu loin mais on y est vite arrivé. Ah attendez, par contre j'ai oublié quelque chose. Il y a un truc que je vais devoir faire obligatoirement, c'est ça. Ici ça, ce truc là, le faire. Parce que bah, ça me permettra de me re-TP sur ce village là pour récupérer le reste des ressources. Vous voyez, il y en a là, il y en a un petit peu ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver. Alors bon, je sais pas si j'ai pour la bonne méthode. Il est où? Il est ici. Juste là, regardez. Juste là. Regarde là. Pas souci, t'inquiète. Je vais manger et mettre sur le jeu. D'accord, femme, c'est pas de souci. Pas de problème. Bon appétit en tout cas. Et amuse-toi bien, surtout profites-en bien de ce jeu. Et on se dit à bientôt. De toute façon, là, j'ai pas encore une petite vingtaine de minutes. Hein, et voilà. Et ça m'a bien fait plaisir de. Mais merci en tout cas d'être passé. Merci à toi. Ah, je peux pas grimper. Je ne peux pas grimper sur les sur ces fameux pylônes. D'accord. Ok. Ah bon, bah c'est peut-être pas aussi qui pas trop attention à comment diriger la. Voilà. Il est là-haut, je pense. Le... Voilà. Là on est bon. Ah tu tiens beau Prime Fabs. Monsieur à beau Prime au passage. Ah bah merci beaucoup. Ah désolé, j'ai pas vu. Ah il faudra que je fasse le tirage de la roue alors pour la monnaie silver. Alors ça malheureusement je pourrais pas le faire parce que je suis sur la Xbox. Alors surtout n'hésite pas à réclamer ton dû. Hein. Voilà, n'hésite pas à réclamer la prochaine fois que je serai sur PC. Enfin dans ma pièce informatique on va dire il faudrait que je fasse le tirage de la monnaie silver. Voilà, n'oublie pas de me le réclamer surtout. Parce que c'est ton dû. Enfin, merci beaucoup, en tout cas ça fait plaisir. Non, saute pas. Non. Pourquoi t'as sauté? Mais non.
Allez pas sauter. Allez pas sauter, vous voulez pas sauter. Ah ça s'est pas affiché, ouais bah c'est le problème avec je suis désolé, ça s'est pas affiché avec le. Ah bah c'est. Merci en tout cas pour ton soutien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Voilà, c'est là-bas, je pense. Ouais, ici. Synchronisez le lieu. Mais graphiquement, franchement, il y a quand même un sacré travail qui a été fait dessus. Je le trouve vraiment joli, hein. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Je pense que sur vous voyez toutes les ressources qu'il y a là-bas, regardez, toutes ces ressources. Là on voit le village qui a été attaqué. C'est vraiment super beau. Allez, on fait le grand plongeon. On y va. Et voilà. Ah, elle est super. Ouais, non, y a pas de souci. Enfin, bah, profite de jouer, y a pas de souci. Merci à toi d'être passé encore. Merci pour ton sub et puis bonne soirée à toi. Bon week-end en tout cas. Et à bientôt. Allez, prends le commandement. C'est parti. Alors, du coup, je vais essayer d'aller voir. Voilà, donc ça c'est fait, ça c'est l'idéal. Là je pourrais faire un déplacement rapide. Et puis bah, en dehors de Twitch, pourquoi pas aller récupérer toutes ces petites ressources là. En attendant d'améliorer. Oh, c'est quoi ça? Non, c'est du 160, je fais pas. Je pense que je vais partir. Alors attendez, il n'y avait pas d'autres villages à piller dans le coin, dans le secteur. Ici, on va aller là-bas. Ça fait peut-être un peu loin. Mais on verra bien. Voilà, on part là-bas, ici, sur là c'est du... C'est du puissance 20. Et après on va ramener tout ça dans notre bivouac, ici, qui se trouve là. Voilà, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Je pense qu'il va falloir partir par là. Alors je vais y jouer entre deux, hein. En dehors de dessus, je continuerai à avancer dans l'histoire forcément. Oh, 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 je bombe à côté. Hearken well in Hall of Kings. Allez, on change de chanson. Hissez la toile. Dites-le. Waouh, elle est beau quand même. En plus, sur un écran, 4K, en HDR, franchement, elle est magnifique. Est-ce qu'on peut attaquer ce camp? Je sais même pas. Je me suis mis là. Alors attendez. Je ne sais même pas si je peux attaquer le camp. Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on peut le faire ça? Inspecte les alentours, Sinine. Oh, c'est quoi ça? Tu vas te calmer, toi. Dieu est avec toi. Oh, ça va me faire mal, ça. Il est où son point faible? On va t'épuiser. J'aurais dû filer plus tôt.
Et voilà. Il est planté comme un piqué, regardez, il bougera plus celui-là. Celui-là, mais c'est sûr qu'il bougera pas. Par contre, je ne sais pas si je peux attaquer ce camp. J'en ai aucune idée. Bon, on va essayer d'aller le faire, on verra bien. On verra un petit peu ce qui s'y passe, de toute façon il y a des ressources. On y va, c'est parti. Pourquoi pas essayer de l'attaquer? La justice de Dieu t'attend. Eh, bouge pas par contre lui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une erreur là. Bouge pas. En fait le gars il a même pas bougé. Là non plus. Ouais, je pense qu'il y a un petit souci là au niveau de l'IA. Je vais te saigner. J'ai l'impression de passer pour quelqu'un, on dirait que je suis invisible vis-à-vis des ennemis, c'est bizarre ça. C'est assez étrange. Ah, trouvez une clé. Faut trouver une clé malheureusement. Je sais pas où je vais la trouver. Fait dedans. Alors cette clé serait où? C'est peut-être lui qui l'a, hein. Ça serait bien lui qui l'aurait. Oh, il va être dur à voir celui-là. Je le sens pas. Allez, les dos. Voilà, c'est bon, j'ai tiré dans la zone sensible. Alors, est-ce qu'il a la clé, lui? Non, il n'y a pas de clé. Bon, ok. Ça m'embête ça. Putain, embêtant de pas trouver la clé. Excusez-moi. Alors je sais que quelquefois il se trouve dans des paniers ou des jars ou autre. Là, il n'y a pas moyen de le trouver. Trouver la clé chaque serrure de ce coffre. Ça m'embête ça. Bon bah tant pis hein, c'est mort pour ouvrir ce coffre. On va faire le tour. Allez voir là-bas. Le Seigneur est ma force. Plus vite. C'est bon, j'ai tiré dans la partie sensible. Voilà. La clé est pas dedans. Alors attendez, apparemment il y a des bots qui passent encore une fois, c'est pénible ça. Alors attends, Johan, je vais bannir quelqu'un là, voilà, hop, banni.
se retrouve encore une fois avec des... avec des bots. Et Re-Yuan. Voilà, il y a beaucoup de bots en ce moment. Il va falloir que je signale ça à Twitch. Hein. Je sais pas s'il faut le signaler, c'est la première fois que je me retrouve avec autant de bots. Voilà, lui il est banni, ça c'est fait. Ouais, c'est, ça devient pénible d'ailleurs. Hein. Ça c'est pénible. Ah ça va, là il a été banni, on est tranquille. Hein. Voilà. Attends, mais je suis en train de vérifier un petit peu ce qu'il a été mis. Ouais, non, c'est ça, c'est un bot. Hein. Ouais. Follow the website, adresse, my profil bas. Ouais, bon, enfin bref. Je vais pas parler tout ça en anglais. Voilà. Et merci de repasser sur le live, Yuan. Merci à toi. Ah non, on peut pas tuer. What? Alors, je suis à la recherche d'une clé pour un coffre. Pour l'instant, j'ai rien vu. Donc là, c'est fait. Là, on va aller voir là-bas au bout. Ah, bah voilà, il y a des petits trucs à récupérer ici, des ressources. Voilà. Ah bah non, c'est pas ça, il faut une clé aussi. C'était là ou bien c'était ici qu'il fallait récupérer le coffre, la clé? Non, c'est encore une autre maison. Ou c'était celle-là, je sais pas du tout. Ça devait être ça, je crois. Je sais pas comment je vais trouver cette clé, malheureusement. Un peu dommage, on a un beau coffre là et je vais le voir là, peut-être quelquefois ça serait ici. Non. Ah tu l'as fait Yohan, bah merci beaucoup, nickel. C'est impeccable. Merci à toi Yohan. Merci beaucoup. Alors attendez. Ah, c'est peut-être à lui qu'il faut aller piquer le... C'est quoi en fait ce... Alors attendez. Je suis un petit peu perdu. Eh, la clé, elle est là. Juste là. Yeah, je l'ai trouvé. Faut que j'aille là-bas récupérer cette fameuse clé. Voilà. À mon avis, c'est certainement un genre de boss. Ouais, voilà, c'est ça. On est sur un genre de boss. Alors, attendez, je pense. Tranquille. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Allez les gars, on va y arriver. Allez, on y va. On va l'avoir, on va l'avoir. Voilà, il est mort. Et voilà, ça c'est fait. Ouah, c'est violent hein. Malheureusement, je peux pas mettre de Peggy 18, là, mais c'est hyper violent quand même. Les Vikings, c'est ça. Alors lui, devant moi, en principe, il a une clé. Je pense. Est-ce que c'est pas lui qui a la clé? Voilà, ça c'est fait. Donc on va peut-être pouvoir aller ouvrir ce coffre là-bas.
je pense. Il est mort. Allez voir, dans mon moment, en principe, la clé, allez, je dois la posséder à mon ami. C'est un genre de petit boss à tuer. On va aller voir ça, si je peux aller récupérer toutes les ressources de ce coffre. On va pas se gêner, hop. Allez, monte. Hop là. Yes, c'est ça, impeccable. Allez, c'est parfait, j'ai récupéré une hache. Et deux points de compétence. Voilà, c'est pour ça que c'est important de... C'est important d'aller attaquer ces genres de petits villages. Voilà. Il y a que comme ça qu'on va pouvoir améliorer... pour pouvoir améliorer tout son inventaire. Donc je pense que là... Il est quelle heure? Il est 29. Ouais, bah je vais stopper. On va stopper pour... Pour aujourd'hui, on ira piller ce village là. Un petit peu plus tard. Bon, vous le verrez peut-être pas sur Twitch. Il y a des problèmes avec les serveurs Ubisoft. Apparemment, ça fait que se déconnecter. Donc, j'irai attaquer ce village. Je vais certainement y jouer un petit peu demain. Demain, il n'y aura pas de live. Demain, ça sera repos. Lundi, lundi j'ai une grosse journée, donc ça sera mort. Journée chargée. Bon, vous verrez bien. Peut-être je ferai peut-être un live d'une heure. Et encore, je sais pas encore. Voilà. Et on reprendra certainement les lives cette semaine, comme c'était prévu. Un peu de The Last of Us. Et Valhalla. Voilà. De toute façon, je peux pas trop prévoir à l'avance. Hein, vous le savez. Voilà. Ils ont reçu le rapport. Merci beaucoup, Johan. Merci, c'est sympa d'avoir fait un rapport Twitch concernant les bots. En plus, tu vois, je sais même pas comment il faut faire en fait. Donc là, tu m'as bien aidé de ce côté-là. Je sais même pas comment il fallait faire. Hein. Bon, bah, merci à toi, Johan. C'est super sympa. Voilà, je vais vous laisser. Attendez. Est-ce que je peux couper ou pas? Comme ça. On va sauvegarder avant. On peut pas sauvegarder. Ouais, mais c'est normal, attendez, c'est tout à fait normal. Alors avant de couper le live, parce que j'ai un petit souci avec Twitch. Quand je coupe le live, ma console se met à rebooter. Elle redémarre. Ou elle s'arrête complètement. Je ne sais pas pourquoi, ça fait planter ma console. Mon bateau il est où? Attendez. Mon bateau, il est passé où? Alors attendez. Il est ici. Voilà. Voilà. On va mettre un petit repère. Ah, puis là, je commence à fatiguer. Il est temps que j'arrête. Ouais, merci à toi, Oyon. Merci d'avoir participé au live comme d'habitude. Merci beaucoup. Moi, je me suis pas senti trop seul. Merci encore à Fabs aussi pour le sub également. Il n'y a pas eu de follow, je pense pas. Merci à tous ceux qui sont passés aujourd'hui. Bon week-end en tout cas. Profitez bien encore de votre week-end. Et puis. Il y a des forces ennemies là. Et je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bisous. Allez, ciao, ciao, bye bye. Je vais. Attendez. Je vais les histoires essayer de sauvegarder. Alors attendez. On va sauvegarder. C'est un petit peu plus compliqué pour... Voilà, je peux créer un petit point de sauvegarde. Ça, c'est bon. Et ciao, ciao, bisous, bisous. À bientôt.